et je marche seul, perdu dans un désert de cendres. Le cœur en sang, le moral ne cesse de descendre. J'ai tout ce que je voulais, mais je traîne de la patte à ce que je suis devenu une resta. Et je vis de mon rap, mais à chaque fois que l'espoir me passe à déco, il m'échappe et je finis à tous les coups dans le c'est faux. J'observe un monde qui me répugne de par ses mille défauts. J'aimerais te dire que je suis serein, mais là c'est faux. Et mon amour, si je te dis que je vais bien, bah je te mens. Et si un jour je meurs, je ne veux personne à mon enterrement. J'ai vendu mon âme depuis qu'elle est morte de ma faute. Je me le pardonnerai jamais, en tout cas pas en fumant cette autre. Je m'aime tout autant que je suis capable de me détester. Ma haine joue à contre-temps, coupable et dévasté. Sauvage tel le lion solitaire, je pleure pour me délester. Entre rage et rébellion, j'oblitère de couleurs contrastées. Je regarde l'horizon par le pare-brise du Hustler, vise le mur avec précision. À 200 km/h, je ressens des frissons. Que quand la mort me frôle, je chante à l'unisson. Que quand mes remords s'affolent, je regarde l'horizon par le pare-brise du Hustler, vise le mur avec précision. À 200 km/h, je ressens des frissons. Que quand la mort me frôle, je chante à l'unisson. Que quand mes remords s'affolent, j'ouvre la boîte de Pandore, la tristesse dans la conscience. Et si je me demandais encore à qui je faisais confiance? Wesh, t'es le S et j'ai mal dans mon âme. Si un jour je canne, j'espère que ce sera sur Macadam. Mes derniers mots seront de tous allez vous faire foutre. J'en ai plus rien à faire de vos lois, je passe outre. Je resterai celui que je suis, celui qu'on ne comprend pas, celui qui finira par se taire juste dans le trépas. Et mon amour, si je te dis que tout va bien, bah je te mens. Le compte à rebours résonne jusqu'au fin fond de mes tympans. J'ai l'impression d'être un puzzle qu'on ne reconstitue pas. J'ai la pression, je me sentirai seul tant que je ne me tue pas. Mais Los Santos, je le jure, sera ma ville, ma scène. Et s'il faut la conquérir, la guerre sera malsaine. Je resterai ce parjure envoûté par le chant des sirènes. J'ai l'impression de dépérir avant même d'entrer dans l'arène. Je regarde l'horizon par le pare-brise du Hustler, vise le mur avec précision. À 200 km/h, je ressens des frissons. Que quand la mort me frôle, je chante à l'unisson. Que quand mes remords s'affolent, je regarde l'horizon par le pare-brise du Hustler, vise le mur avec précision. À 200 km/h, je ressens des frissons. Que quand la mort me frôle, je chante à l'unisson. Allô? Oui, c'est moi. Mes remords s'affolent, mais le Santos, je le jure, sera ma ville, ma scène. Et s'il faut la conquérir, la guerre sera malsaine. Je resterai ce parjure envoûté par le chant des sirènes. J'ai l'impression de dépérir avant même d'entrer dans l'arène. Je regarde l'horizon par le pare-brise du Hustler, vise le mur avec précision. À 200 km/h, je ressens des frissons. Que quand la mort me frôle, je chante à l'unisson. Que quand mes remords s'affolent, je regarde l'horizon par le pare-brise du Hustler, vise le mur avec précision. À 200 km/h, je ressens des frissons. Que quand la mort me frôle, je chante à l'unisson. Que quand mes remords s'affolent. Allô. 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 Oui. Tu m'as pas vu? Non. T'étais où? J'étais littéralement. Tu vois quand tu as ramené notamment ton Caracara en super bêta? Oui. Eh bah, j'étais littéralement à côté de la grille. Ah, merde, non, bah non, je t'ai pas vu du coup. Bon, pas grave. Tu vas au Comico? Je vais faire un petit tour d'abord, vu l'heure. Ok, ok. Tu veux que je vienne te chercher? Comme tu veux, moi je... Attends, est-ce que le Bénis est ouvert? Non, sinon ouais. Je serais parti avec mon Caracara. Ah, pas faux. Oh, attends, je suis... Oula, non, attends. Oh, j'ai fait faire une connerie avec ma Domi. Bah, c'est comme tu le sens, tu peux faire ton tour toute seule, sinon... comme tu veux. Non, t'inquiète. Ok, ok. Et... Bah, je suis... Je suis toujours à l'appart. Ah,
j'arrive. À tout de suite. À tout de suite. Et yo Chinia, comment tu vas? Nickel, hâte de la soirée là, la soirée Projet X. Super. Ah bah bravo la vitesse! Mais j'essaye de la pousser un peu. Ouais, voilà, les murs attendent pas. Et yo Bouddha! Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Oh putain, on m'appelle. Oula. Oui, allô? Et bonsoir. Bonsoir Victor. Ah bien et vous? Très bien. J'ai lu votre message. Je l'ai eu le. Je l'ai réussi le test psychologique. Ah, ok. Après, je savais pas comment ça se passait. Eh bah, venez au LSPD. Alors là, je peux vous mentir qu'il n'y a pas grand monde en service, mais au pire, je vous envoie un SMS quand il y a des gens aptes qui seront là. Et vous pourrez venir au commissariat, vous expliquer où vous souhaitez passer votre PPA. Au pire, mieux laisser un message sur le répondeur pour dire que vous souhaitez passer votre PPA. Et d'accord. Comme ça, dès qu'il y aura un formateur de disponible, bah, on pourra vous le faire passer. Ok, ok. Bah écoute. Je te remercie pour cette information, je vais envoyer un message tout de suite. Je suis devant... Du coup, ça sert à rien que j'attende devant le SPD là. Oui, non, pour l'instant, ça sert à rien, il n'y a pas de formateur dispo. D'accord, d'accord. Mais t'es pas apte à le faire passer. Alors, je dis pas que tu dois le faire passer à tout prix, mais... Non, moi je suis pas formateur PPA. Je l'ai, mais je suis pas formateur de ça. D'accord. Okay. Ah oui, c'est vraiment... il faut vraiment être formé, il y a une oui. Pour vous. Ah oui, clairement. Okay, okay. Moi je suis formateur arme lourde bientôt, mais pas PPA. Ah. Et c'est quoi la formation arme lourde? Ah, alors, c'est que pour... Oui, non, ça c'est pour la police, ouais. Et tout ce qui est G6? Ouais, je suppose. À peu près. Bah parce que je fais partie du G6 aussi. Ah, je savais pas. Et bah ça faudra voir avec tes patrons, je t'avoue. Ça nous est jamais... Enfin, depuis que je suis là, en tout cas, on n'a jamais fait passer de formation à G6. Donc je sais pas si c'est un truc interne à vous. D'accord. Ou qu'on fait... D'ailleurs, petite info entre nous. On a normalement un truc à prévoir avec les SPD, en tant que G6. Ok, d'accord. G6 à LSPD. Ça reste entre nous parce que pour l'instant je ne sais rien. Ah le spoil, je sais exactement ce que c'est. Ok. Je sais juste qu'il va y avoir un événement entre Speedy. Ok, bien compris. Bon bah, je garde ça pour moi. Ouais, juste parce que bah, pour l'instant je suis pas recru, je suis juste recru on va dire. Ok. Je suis pas recruté à 100% pour l'instant, tant que j'ai pas le PPA et que j'ai pas toutes les formations logique. Faites. C'est compliqué mais ça fait déjà 2 semaines, j'ai prévu, c'est vraiment, ils veulent vraiment nous garder, moi et Adam. D'ailleurs, Adam Kurt. Oh, ouais, c'est bon, mais c'est lui. Et donc on est recruté, on attend là, le PPA. Adam a eu l'autorisation, c'est bon, il a même une arme d'ailleurs. Ok. S'est procuré. Moi j'ai eu le test psychologique hier, enfin mm-hmm. Je l'ai passé hier et je viens d'avoir l'information quand je me suis réveillé. Là. Ok, bon bah nickel. Bon, bah écoute, je te remercie, je vais envoyer un message et puis bah je te souhaite une bonne soirée. Et bah parfait. Plaisir de se revoir. Yep, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut, salut. C'était le garde du corps. Ah, il voulait savoir pour passer son PPA du coup. Ah oui, d'accord. Bon, apparemment il bosse à G6 donc ouais. Ah bah c'est bien. Ouais. Lui est un des avocats apparemment. D'accord. Donc voilà. Bah, en même temps, vu le prix que se font payer les avocats, ouais, heureusement que. Ouais.
Bah ouais. Parce que... Oh. Je sais pas si tu pourrais en dire. Bah je ne pense pas, non. C'est pour ça qu'il faut bien un deuxième travail. Et pour le coup, s'il décide de plutôt travailler à G6 que vendre de la drogue, ça nous arrange tous. Comment ça? Bah, tu sais, l'autre gars, le... Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? J'ai perdu. Frédéric? Non, pas le garde du corps. Il y avait un troisième Gus avec eux. Mais c'était aussi un avocat. Ouais, et bah, cet avocat. On l'avait vu avec 03, genre... Il y avait un point de vente sur les... Il y avait des gens qui vendaient de la drogue sur les docks. Mais genre vraiment, tout au bout des docks, quoi. Dans un coin paumé où devait y avoir 4 pélos. On y arrivait avec 03 et il y avait ce mec, avocat, sur une moto, avec son casque et une mallette de plus de 10 000 balles en main. Bon, alors factuellement on l'a rien vu faire. Mais Ouais, je c'est t'avoue, louche quand même. j'ai. Ouais, c'est louche, je dirais même que c'est spatule à ce niveau-là. Hein. Franchement, c'est terrible. Oh putain. Elle est super cette blague. Non. Si, elle est très drôle. Si tu veux. Mais ouais. Enfin, c'est bizarre, surtout se promener vers la plage avec une telle somme, c'est. Non, c'était même pas vers la plage, c'est genre vraiment les docks. Bah, c'est littéralement à l'endroit où on a. C'est encore plus au sud que l'endroit où on a retrouvé les bagnoles éclatées pendant le blackout. C'est vraiment full sud quoi, terrible. Ok. Oh, c'est bizarre. Tu veux retourner à l'appart, récupérer ton caracara pour le faire réparer? Ouais, j'ai eu un petit accident hier. Ah ben, vu l'état, j'ai vu. Hein. Mais... Un petit, hein. Mmh. Oui, bah c'est pas de ma faute. Ah, il restait plus beaucoup de portes, quoi. Bah deux. Ouais, la moitié. Ça va, c'est un bon ratio. Ah non, mais j'ai dû faire quelques tonneaux et voilà. Mais bon, comme il est bien. Comment dire? Pas blindé, mais genre. Il est un peu stock, donc ça va. Ouais. Par contre, j'ai eu trop peur de faire une tortue avec mon caracara. Je me suis dit, c'est mort. Il n'y a personne qui va pouvoir m'aider, ça va être la galère. Oh, moi j'ai réfléchi, mais ouais. Putain, j'imagine si un jour il y a un Camacho ou un 6-6 de disponible. Ah, Il y a des mais. chiens qui traînent ici. Putain, c'est vrai. Putain, j'ai trop envie de conduire dans cette descente là. Pourquoi? Bon, ça me. Ouais. Là, tu fais une grosse descente en mode full speed. En mode course, grosse course. Fun fact, c'est à cet endroit-là La main noire. que j'ai pris la décision de d'intégrer le LSPD et c'est aussi là que comment dire Zubichinia, merci d'être passé, ça fait toujours plaisir. que j'ai fait mes adieux entre guillemets à Ivy. Même Ok. si après je l'ai revu, c'était ouais. Et que j'ai aussi eu par la même occasion un gros coup de pression de la main noire. Ah. Et ouais. Oui. Forcément. Avant que Tommaso les rejoigne. Ok. Ça fait combien de temps qu'il les a rejoints? Bah oui, non, on se fait quand j'étais là. Ça Quand je suis fait arrivé, il était au deux. Bénis, c'est vrai. Ouais, 2, 3 mois. Oh, ce sale con, lui. Déjà qu'il était pas forcément aimable au Bénis, alors là, c'est pire en pire. Tu veux conduire du coup? Oh, vas-y. J'en profite pendant que j'ai pas de maux de tête. Bah ouais. Fais vite attention. Ouais, un patin, on se remet bien. Et c'est parti. Ouais, parce que là, tu. Ouais. Un accident, tu vois là-haut. Et puis, c'est pas un 4x4 ou un 6x6, hein, c'est Le vraiment la but, route. c'est de pas descendre en dessous des 100 km/h. Ah bah Ah, ouais. 96, j'ai fait un 96. Ah ouais, mais avec cette voiture-là, c'est pas évident, hein. Pour l'instant, je suis autour des 120. Ah, 88!
J'ai pas un 88 dans ce virage, mais sinon c'est ok. Oh, voilà, c'était clean. Ça va. On va récupérer ton cara. Yes. Oh non, la biche. Ok. Oh, je l'ai vu se jeter sous les roues de l'autre bagnole. Mais non, pas penser le lapin. Ah bon? Bah oui. C'est pas pour lapin. Pas pour le lapin. C'est pas pour lapin. Ah oui, c'est dans celui-là où j'ai un pistolet, ok. Oula. Bon, là, une pacifique aujourd'hui. Let's go. Mais alors, en vrai, actuellement, je sais pas si la main noire, il pourrait en faire une. Bah... Enfin, depuis la pacifique, Mistral, ils ont perdu tellement de personnes. Ouais. Ils ont gagné et... ouais... Ils en ont gagné quelques-uns, mais perdu, quoi. Ils ont plus perdu que gagné, quoi. Ouais, clairement. Non, mais t'inquiète. Ouh. Ah, mais quand je te dis que je suis un vraiment bon pilote quand j'ai pas de mot de tête. Ah, mais oui, non, mais j'en doute pas. C'est pas une vanne, c'est juste très terrible. Non, mais oui, c'est juste que cette voiture-là, elle est un peu plus win. Ah, mais j'ai... Oui, mais justement, j'ai l'habitude des voitures de merde. Enfin... C'est une bonne voiture, quoi mais... Oh, attends, mais... Non, mais... Ça... T'as dit quoi? C'est une voiture... Disons que c'est une voiture qu'elle est jolie, mais pas qu'elle est bien pour la conduire, quoi. Bah... En vrai, on tape un 180 avec, j'aurais jamais cru. Ah ouais. Je suis monté jusqu'à 190 avec. Je vais quand même... Je vais quand même prendre ma Domi pour... Bah, pour aller jusqu'au Bénis pour la faire réviser par rapport à hier, tu sais. Ah, oh, merde, ouais. Bah, tu prends le Cara et je prends la Domi, non? Pourquoi, merde? Non, c'est bon. Attends, je vérifie, après peut-être qu'elle va bien. Je sors. Ça a l'air ok, non? Ouais, ça a l'air ok. Moi, comme tu veux. Ah oui, mais de toute façon, moi, ce soir, il faut que je me couche tôt. Donc, Au pire. Let's go. Moi, je viens avec toi dans le Cara. Ah ouais, du coup, je devais monter. Ouais, nickel, c'est parti. Ah ouais. Il a vraiment pris trop cher hier. Mais c'est pas ma passion, le Cara-Cara. Et ouais, du coup, c'est sympa, mais c'est pas ma passion, le Cara-Cara, clairement. Hein, c'est. Ah non, moi j'aime bien. Envie de conduire vite et de porter un joli uniforme. Oh oui. Mais c'est pas... Alors... C'est du mensonge, ça je reconnais. Hein. Ah oui, oui. Faudra... Ouais... Je vais leur laisser un petit message. Hein. Oh non, en vrai ça marche, hein, du moment... Enfin... C'est pas grave si les gens se sentent floués, honnêtement. Tu fais super bien le robot, putain. Ah, t'as vu? Bah, là, tu vois, on arrive vers le centre-ville, donc ouais, les maux de tête, ça arrive. Ah, c'est qui va se payer le Cara-Cara? Ah, bah. Bonsoir. Et bonsoir. Oula! Ouais, ouais, je lui ai dit qu'il faisait très bien le robot. Oui, non, mais tout le monde fait bien le robot là. Tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, il est là. Ah. Oui, oui. Ouais. J'ai envie d'acheter le deuxième. T'as envie d'acheter le deuxième? Ah, je me donne envie, mais il y a Nissi Sport là. Mais Nissi Sport à 110K. Oui, je sais. Elle est full. Elle a monté prix en plus. Il y a une hausse des prix générale. Alors, le il est à 40K, monsieur Descartes m'a dit. Ouais. Tu sais combien il est maintenant? Le Nova qui était à... Attends, déjà, le Nova qui était à 40K? Oui. J'ai envie de crever, mais vas-y, dis-moi combien il est. 150 000. Plus réaliste de son utilisation. Oui. Et... Je me demande ce que ça donne un REB, là. Oh, bordel. Mais oui. Ça me donne envie d'acheter le deuxième. Ça a l'air... Par contre, on est d'accord que tout le monde robotise, c'est infernal. Hein. Oui, Ouais, ça dépend, ça triche. Oh là.
Ouais, Ouais. ouais. Non mais Non, c'est un ça truc va que être tu peux rien froid. faire. Ouais, je pense pas que ça, ouais, ça vienne de toi. Ça, ouais. Ah ouais? Non, je pense que ça vient un peu de ma Notre branche temporelle. conscience de parole commune. Ouais. Notre parole d'équipe. Je crois que nous sommes dans l'équipe. Oh, ça va être un carnage si ça reste comme ça. Voilà, pour les communications en radio, ça va être drôle. En vrai, un putain de caracara. Alors, par contre, bonne nouvelle. De quoi? J'ai appris que si je mettais la main en premier sur un Camacho avant Mistral, ils allaient pas me taper dessus. Mais... Quoi? Camacho. Oui, c'est bon, un Camacho. Oui, moi, Par oui, contre, moi aussi je veux j'ai bien un peur Camacho. pour la main noire. Hein. De quoi? Que la main noire vienne me faire chier pour le caracara. Alors, ils font ça. Ils s'en prennent à toi. Je demande une de... Je fais une demande pour qu'on saute leur zone de non-droit. Ah mais t'inquiète, hein. J'en mets un coup de tête et puis c'est bon. En dehors de ça, dès qu'ils vont se bouffer les feux de l'enfer, ces types-là, ils vont se calmer. Concrètement. Bah, là surtout Pour un qu'il mec, commence à faire chier. Oui. planter un civil, pour moi, c'est de la limite à ne pas franchir. Honnêtement. Ou à la rigueur que tu le veuilles vraiment, c'est une chose. Il y a d'autres moyens que de planter quelqu'un pour l'avoir. Ouais. Oui, clairement, non, là C'est pour ça. ça que je suis de dos d'acheter le deuxième Caracara pour pas qu'ils en aient un. Parce que je sais très bien où il va aller ce Caracara. Et c'est dans les roues de nos voitures. Ouais, il va nous faire des pit frontales sales là, comme la dernière fois. Un plaisir. En plus, là, je vois une belle peinture en nuit sombre avec des stickers blancs, le coffre en blanc. Ah non, mais il est incroyable, Je hein. suis Il de manque doigts de. juste deux Ouais. portières, mais c'est ok, hein. Ah Mon corps oui. est en hésite. Victor, Oui, vraiment. non Victor, mais. oui, c'est sport, une je. Bah, en fait, je me dis que. Factuellement, si le but. Bon, pour Oh, avoir un peu si conduit le jamais t'as Caracara. Caracara, on fera des sorties Caracara. Déjà, pour. J'avais jamais eu de Caracara. Je l'ai conduit pour la première fois hier. Le fait que. On puisse rêver à un Camacho derrière me fait dire que le Caracara, en vrai, c'est bien, hein, mais bon. Camacho, quoi. Non Et mais. le deal ici sport à 110K, vraiment, c'est merveilleux, par contre. Donc, après, voilà, c'est. Non, mais Ouais, et là, puis de toute là. façon. Après, j'ai déjà une deux portes hein, qui est très très bien dans l'idéal. Là, c'est une quatre portes, même cinq portes là. Est-ce qu'on peut s'asseoir à l'arrière? Non, Genre dans non, non, la. non, non, Ah, c'est Bison ou 6-6. un bison aussi 6. Ou Oh. Guardian. Mais qui la personne qui achète ta Guardian, je la trucide parce que c'est moche. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça dans un Guardian. Pour moi, c'est vraiment, c'est nul, juste nul. Non, c'est un camion à 6 places, concrètement. Ok. Il est Oh, beau. j'hésite. Il Oh, est j'ai. Oh, je vais beau. tirer à pile ou fesse. Oh, il est beau. Oh, j'ai plus une thune, j'espère que ça va pas me coûter trop Ça cher. fait quoi du coup? Oui! Ah! Quoi? Ça fait quoi? Ah, est-ce que tu viens de voir la plaque? Mais oui, Oui, la plaque. Oui, on a beaucoup ri hier aussi, oui. bizarre, mais dans un autre langage de mes muscles, ça me dit vachement Oui, plus c'est que ça. exactement ce que j'ai dit hier, oui, c'est très. Ouais. C'était pour que j'achète, hein. Ouais, bon. C'était. Et autre bon détail du coup moins évident et pas Ouais. aussi drôle, mais avec les 4 numéros à l'arrière, tu peux faire 26, 27 et 66. Ok. Vraiment, c'est. Ouais. Deal, c'est le Caracara, face c'est l'ici sport. Allez. Je sais pas c'est quoi le pile ou le face. Face, face c'est le Bah, c'est là où il y a côté du un. numéro. Ouais. C'est Pile, la c'est là où il y a le pile. numéro. Pile c'est le numéro. On Ça dit fait pile? pile. Ouais. Oh oui! Je sais pas, je sais pas. Je suis encore en Mais, négociation. franchement, En plus, alors j'ai trop après, cher. bon, encore une fois, c'est ton choix. Mais, tu viens de tirer, t'as eu le résultat, j'ai le Caracara et t'hésites encore. Hein. Oui, mais une putain d'ici sport, Oh c'est oui! pas de Mais la je suis d'accord, merde. mais. Je suis d'accord, là, ici, Attends. sport! Ah, c'est terrible ça. Je fais juste un dilemme très rapide, monsieur Descartes. Dites-moi. Un Caracara ou une ici sport? Full custo. À 110K. Un Pour moi, Caracara. je suis vite fait, ce serait des 6 sports. Ok. Mais Oui, voilà. non! Très bien. Mais c'est une Merci. beauté le Caracara. En plus, Après, on pourra faire des sorties Caracara. si un jour vous vous séparez de votre sultan classique, n'hésitez pas. Si un jour je dis bien. C'est Alors, moi. drôle. Ouais, mais attends, je pense pas que ça arrive. Oui, Ah, moi aussi. les rêves sont beaux, hein. Les espoirs sont là. Faut y Les croire. espoirs sont là, j'essaye quand même. Ah, sauf que j'ai dit qu'elle avait ouais, augmenté, donc la full custo. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
Et ouais, ok, bon bah je garde pour le 6 sport. Oh, ça dégoûte. Tu pourras quand même l'essayer, hein. Oh oui, oh, t'inquiète pas. Oh, il est beau. Bon, il a plus de porte, mais il est beau. C'est beau pour l'aération, quoi. Exactement. Putain, mais il est déjà 20h30 à l'aide. Ben bah, oui. On va peut-être qu'on taffe aussi un jour. Oui, enfin, moi je veux juste faire réparer mon caracara. Il y avait Monsieur Bowman, il y a plus Monsieur Bowman. Mais en fait, je suis turbo débile parce que moi, de toute façon, je vais me faire niquer vu que faut que je me couche tôt ce soir. Donc il faut que je prenne ma caisse pour aller au Comico. Ah. Ouais, sinon je peux plus entrer. Bah sinon je te dépose, c'est pas grave. Ouais, mais si t'es en service, genre tu vas pas forcément pouvoir me déposer. Bah si. Ouais, c'est compliqué, mais on verra. Ouais. Oh, il est beau. Mais y'a quelqu'un qui gusto à l'intérieur ou pas? Je sais pas. Parce que là, depuis le temps. Tu ruines. Ouais, non, hein. C'est sa chagun, mais. Non. Ah bah y'a un flatbed, j'entends un bruit de flatbed. Ah mais je pense savoir où est Monsieur Bowman. Quoi? C'est Madame Williams qui vient de sonner à l'accueil. Je pense que c'est genre pour récupérer son truc de comment ça s'appelle, son casier judiciaire, et que du coup Monsieur Bowman l'a accompagné potentiellement. Oh. Ouais, ouais. Mais pourquoi ils ont pas mis le bénis en pause? Je sais pas, mais en tout cas, enfin ça fait depuis combien de temps que t'es là? Ouf, 15 minutes. Bah voilà, t'es la première sur la liste, donc... Ouah, je peux attendre encore un peu, ça, en ça vrai, me fait une excuse pour pas aller au taf. Pardon, quoi? Non, bah, je rigole. Non, mais au pire, j'irai le faire réparer plus tard. Voilà. C'est pas bon. Il peut avoir des belles custos, le caracara. Ah mais oui! Mais faut la thune! Ouais, ça va. Ah, j'ai plus de 2000. En vrai, après, techniquement, si derrière, avec le caracara, je peux le full custo d'ici le même soir. Bah ouais, c'est pour ça. En plus, il coûte moins cher et tout. Alors, c'est pas forcément le prix qui me... La IC Sport. La Caracara. Mais la IC Sport, mille fois. La Caracara. Mais non, mais le cas... Ah ouais. La Caracara. Alors, elle pense à s'acheter un Camacho. À quel moment tu choisis un Caracara quand tu peux... Oh. Alors, honnêtement... Alors, je vais être honnête. La raison on de pourquoi j'ai pris... Ça. La raison de pourquoi j'ai pris cette prévion, c'est pour pas qu'un criminel l'ait entre les mains. Oui. Donc, mais bon, ouais, mais ça, bah, voit l'inverse aussi, hein. Enfin, pour le coup, l'IC Sport, perso, je la capitaine va pas la vendre à un criminel, ça serait vachement con. Ouais, mais on sait, ouais, mais si elle se barre avant de la revendre, bon. C'est vrai que. Et je vais pas mentir, je préfère avoir un caracara en plus à la main noire qu'une IC Sport dans les rues, hein. Ouais, si c'est pour se faire des. Alors, surtout avec ce qui se passe, oui. Super. Sachant que dès qu'ils vont le voir au concessionnaire, ils vont foncer dessus comme si c'était la fête, je pense. Je sais pas. Bah, déjà, est-ce qu'on est sûr qu'il y en a encore un, hein? Oui, bah, je te le confirme, je l'ai vu il y a à peine 2 minutes au concess. Donc, Ok, bon, bah, nickel. On va peut-être aller, du coup. Ouais. On a encore un peu le temps. Il se passe pas des dingueries, y'a pas de coup de feu, y'a pas. Il y a que 76. Oui, bon. Voyez. D'ailleurs, j'ai vu que ça y est, t'étais devenue formatrice PPA. Oui. Let's go. Bientôt format SWAT aussi. Bon, il faut que je passe à la formation armes lourdes et je vais être formateur négociateur aussi, c'est bon. Nice. C'est terrible, hein, j'ai pas encore la formation négociation que la capitaine, elle m'a déjà envoyé les dossiers pour être formateur négoce. Mais là, il faut attendre que quelqu'un passe pour faire sa formation arme lourde et. Comme ça, je pourrais enfin être formateur. Ah, il y a 25 chances sur la liste des prix, techniquement, si. Bah. 25, bah, va y avoir 25 et 16 qui vont bientôt le faire, mais. 16 qui va passer en premier.
Faut voir. En Pour fait. les 200 carrés. Ouais. Ouais, de ce que tu m'as dit hier. Enfin, ouais, il est passé au milieu Little Seoul hier. Il est passé au milieu de Little Il a le Seoul. droit. Oui, mais Alors, non. oui, mais en full Franchement vitesse comme pas. ça, ouais. C'était. Non, mais c'était en patrouille, donc il était à 50. Il a le droit. Alors oui, Ouais, factuellement on donc. a dit qu'on avait le droit, mais Mais je dois chiant parce que, passer. oui, le truc c'est qu'il n'a pas fait ça en conscience, il a fait ça parce qu'il avait oublié la zone. Et Oui. ça Oui, c'est le mais. problème. Après, je pense pas qu'il va pas. Si. Après, je pense pas que ça va le, je pense pas que ça va, ça va retarder spécialement sa montée. Moi non Non, plus, j'aurais non, mais voté. c'est plus la conduite en général, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Oui, alors franchement, pour avoir vu Alors, certains hauts gradés conduire, alors, bon. et oui, alors franchement, ces calls radio, ils sont plus carrés que n'importe quelle personne, que beaucoup de Mais j'ai pas personnes. entendu ces calls radio, Oh, moi. tu verrais, ils sont très bien. Ouais. Mais Mais là, déjà, c'est franchement 20 et le 16? 25 25 et du. 16, pour le coup, ils se débrouillent C'est bien. justement pour les calls radio, je le préfère en. Oh, ça, c'est la freeway. Je le Ouais. préfère en. Je le préfère en conduite 16. Oui, mais clairement. Après, Ouais. ça va, je commence à lui donner des tips à la con, mais genre à tout hasard, dire les calls de la voiture que tu suis, pas de ta voiture, ça peut être bien. Mais après, sinon, ça va, franchement, il se débrouille bien. Là, il reste juste à lui voir les trucs du flag, qui passe son PPA. Son PPA et le petit truc sur le code pénal, et lui, il sera bon. Ouais, je sais pas. Après, malheureusement, même si tu valides toutes les formations, tant que le gradé le pousse pas, le mont fait pas monter, ils le font pas Bah ouais, monter, mais c'est ça c'est qui est ça, hein. Ouais, mais surtout que j'ai. Ouais. Alors là, les deux dernières promotions qu'il y a eu, c'était en espèce de gros groupe cérémonie. J'espère qu'ils vont pas attendre de faire un truc comme ça pour les cadets. Hein. Parce que putain, être cadet, c'est un enfer. Oui, non, mais oui, t'es un peu Ouais, la mais c'est personne contre un nécessaire balle de aussi, temps. parce que s'il est pas bien formé, et Alors. qu'il est tout seul et qu'il fait la merde, voilà quoi. Personnellement, je déteste former les cadets, hein. Je vais être Ah, honnête, moi mais c'est j'adore. juste ça. Moi j'adore, ça J'espère que me met je vais pas en bien. reprendre après, hein. Ah, moi j'adore, ça tombe bien. Je prends tout ce que je peux. En formation. Oui, bah oui, évidemment. Oui, tu fais bien de préciser aussi. Ouais. Ah, toujours. Oula. Ah, le LSM, c'est déjà des ordinateurs, c'est nickel. Mais ouais, non, je sais pas. 25, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Non, mais je regarde depuis ouais, l'heure qu'il est, quoi, et le fait que c'est chaud. Bon, en vrai, là, pour le moment, je vois pas de. Bah, de toute façon, tant qu'on prenne, on prend pas notre service, techniquement. Par contre, vraiment, alors c'est pas forcément visé contre vous, mais n'oubliez jamais d'enlever votre service. Ouais, non, mais t'inquiète, Ah, mais si on a t'as vu fait ça hier. visé, Hein, t'inquiète. il y avait deux personnes qui étaient en service et se sont bouffées une 12 super. kilomètres. Oui, une super. Mais ouais, Ah, gros. direct. Ah, c'est Jean, ça. Oh, c'est Jean, ouais. Jean. Bah, Tin 7. 80, 95. 95. Ah! Allez, Oh la vache, on va l'arriver vite à l'aide. Ça me fait peur, ça, quand même. c'est une pénombre cette caisse, ouais. C'est une pénombre, ouais. Ouais, pas sûr. Je connais Hey, zéro les coupés. collègue! Collègue. Il ne voit pas. Hein. Super, ça préfère Oh, parler à la super. criminalité. Super. Super, en plus, c'est une 7, c'est pas étonnant. Ouf. C'est violent, ça, quand même. Non, c'est une blague! On dirait qu'il a un brossé électrique. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a le ourlet que sur un seul des deux Mais jambes, j'ai envie ah de oui, crever. c'est bien les collègues, je me disais aussi. Bah Bonsoir, oui. oui. Eh, bonsoir, oui. Vous êtes tout beau sur les uniformes. Eh, Bah ouais, attends, ouais. normal. Eh, bonsoir. Et Bonsoir. Eh, bonsoir. Il y a personne? Bah, non. Non. Ah. Bon, bah j'arrive. Tout de suite. Me dit que. Elle a qui la blanche? C'est à moi. Ah bah oui c'est vrai putain c'est la région j'avais oublié on l'a jeté Oui, on ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. c'est vrai que j'étais là j'avais oublié ce détail ah ouais, c'est vrai qu'il est toujours aussi canon Elle est belle. je suppose que le Sandkin ça doit être Ah, c'est pas un Ah, c'est un Sandking. Sandkick. C'est un Karakara. C'est un Karakara qui c'est Sachant qui que c'est à il y a eu moi un Ristock Moncess. ah bon Un oh petit, petit petit genre Yen Non, il y a pas de ZR, mais il y a du coup Karakara, Akuma, Comet Retro Custom, C'est vrai qu'il n'y en avait plus. y a aussi quoi? Il n'y avait pas grand chose de marquant sur ce Ristock. Cheetah classique. Ouais. Oh la gueule que Magnifique. ça, c'est merveilleux. C'est magnifique Bah, une Cheetah je voulais m'en classique. acheter une à une époque. Alors, c'était qui en premier là? C'est moi avec la Prévion. Avec la quoi? La Prévion. C'est Quelle est celle-là? La Le blanche. blanc là. Oh, ok, ouais. Ben, je pense qu'il faut la réparer. Oui, s'il vous plaît. La Prévion imaginait qu'elle est rouge, mais là elle est blanche. La Prévion imaginait qu'elle est noire. Oh non. Non. Si. Non. Si, moi j'imagine très bien. J'utilisais des mots interdits, mon collègue.
Ouais, j'ai souvenir. J'avoue, la moto, elle a pris cher. On avait vu. Mais moi, je. Ah, mais ça, c'est Madame Miller, ça, c'est la conduite, c'est à... Mais oui, approximatif. Hein. Bah, elle a son permis moto. Elle a eu son permis voiture il y a pas longtemps. Hmm. Bah, moi, j'ai passé les trois en même temps à l'époque. Bah, la même, mon premier soir en ville, j'ai passé les trois. D'ailleurs, j'aimerais bien dabber. Ah, oui, si je sais dabber. Est-ce que j'ai conduit un Riot sans permis poids lourd? Mais je sais dabber. Vous savez dabber? Oui, mais je peux pas dabber, j'ai pas de taser sur moi. Alors attendez. Comment ça vous voulez? Je sais dabber, genre. Voilà, avec un taser? Non, c'était comment, vite. T. Ah, oui. Mais... T pose, voilà. C'est impressionnant, hein. C'est... On dirait que vous êtes possédé, c'est bizarre. Oh, c'est les dames, hein. C'est possédé par 2015. Hein. C'est les distributeurs automatiques en dehors de tout ça. C'est... Quand même, les pauvres, ils ont rien fait. Ah, j'ai très peur s'il y a des gens à un jour qui ont l'intention de les braquer, ces dames. À l'aide. De braquer Tinset ou... Non, les dames. Non, les dabs. Dab, c'est la marque des distributeurs. Oui, non, mais je... Ou les ATM, si tu... Oui. Moi je dis les TPE, les gens comprennent pas, je suis en mode oui, bon bah... Nique un truc qui donne de l'argent, quoi. Non, ça c'est les parents. Si on en a. Ça, aïe. Oh, merde, pardon. C'est pas grave. Mais super. Elle va coûter cher la facture du car. Hein. Oh, ça je reconnais, ouais. Moi, c'est soit une gargoyle, soit une cliff. Si c'est le sergent alors que je viens de lui envoyer un message. Oh, si c'est le sergent alors que je viens de lui envoyer un message pour demander à combien il me vendrait sa gargoyle. Je viens littéralement de lui envoyer un message pour lui demander combien il me la vendait. Bienvenue au LSPD, sergent. Bienvenue, sergent. On a trouvé des nouveaux uniformes. Mais qu'est-ce qui se passe là? On est devenus des infiltrés. Comment ça, on a réparé nos véhicules? Ouais. Et pourquoi vous êtes tous là en même temps? Bah parce qu'on est tous là en même temps. Et ça fait longtemps qu'on attend par accès. Voilà aussi. Ah oui, bah j'ai l'impression, oui, vu la file qu'il y a là. Ouais, bah c'est pas grave, hein. Ah, j'ai cru que c'était mon véhicule qui était en train de fumer, j'ai eu peur. Eh bah, la votre bonne blague, moi je répare la mienne, je la mets au garage, je la ressors, et elle fait un sale bruit. Je comprends plus, j'en ai marre. Peut-être qu'elle fait un sale bruit de base. Votre véhicule, c'est celui qui a les banques de porte là? Oui. Oui. D'accord. Quoi? Il y a une explication. Ah, des tonneaux. Et les portes se sont ouvertes, donc arrachées. Des tonneaux donc, avec ça, mais comment vous avez fait? Ah ouais, je suis trop forte. Attendez, vous avouez ouvertement avoir fait une conduite dangereuse du coup? Non, du tout. Avec vous ça, comment on peut faire des tonneaux avec ça? Bon, en tout cas, ce que je note, c'est la conduite de véhicule visiblement endommagée. Oui, tout à fait. Hein. Rouler avec ça en off-road, je peux vous assurer que les tonneaux ça peut arriver sur une base. Voilà, oh, attendez, parce que hop, j'ai des trucs de phare, ça attrape. Faut rouler à 180 là pour faire des tonneaux avec ça. Là. J'étais même pas à 60. Jean, est-ce que tu peux faire le relais à la jambe gauche aussi? J'ai pris une bosse et hop. Non, ça va avec le costume. Sur le côté. Faut que je repasse au bingo sur cette tenue. Pas loupé sur la jambe. Je roulais vraiment pas vite en plus. Bon, réfléchissez beaucoup là, sergent. Ouais, je vais aller voir le véhicule de plus près quand même. Oh mais non. J'avoue, mais félicitations pour le permis, Madame Miller. Et merci beaucoup. Deux en une semaine, c'est quand même beau. Non, mais ce qui est bien. Ah bah vu l'état de la machine, on se demande. Ouais. Ben je sais pas trop si pourquoi. Vous voulez vendre, deux fois tout de suite hein. Que bah... je la sors du garage et qu'elle fume. Ah oui, alors faut faire très gaffe. Les motos, c'est très fragile. Très fragile, donc si ça tape un petit peu, ça se voit pas, mais ouais, le temps de laisser un peu ça reposer dans le garage, ça y a tout qui niqué. Ah ok, d'accord. Donc on va faire très gaffe. C'est dommage. Ah, qui tour ? C'est quoi comme moto ? C'est une Nemesis. Ah, c'est autour du Caracara, c'est le gros 4x4. Attendez, laissez-moi voir la ligne d'échappement, là j'ai un petit doute. Donc, une Nemesis, ok. Une moi, première prime, mais elle est vraiment trop cool. Ouais, bon bah tant mieux. J'ai fait mettre des super pneus. Bon bah tant mieux alors. Ouais. Moi, je vais sans doute me procurer cette moto ici là. C'est quoi?
Une gargoyle, ça s'appelle. Une moto qui fait du off-road, il y a automatiquement les chaînes sur les pneus. Ah, oh, pas mal. Ah, c'est très bien. Ah, très bien, c'est très... Ah, ça fait un peu peur de voir ce... Ouais. Le monstre bouger. Là. Oh, purée. Oui, ouais, voilà. Moi, je vais me décaler, hein. Ça m'a l'air compliqué. Ah, bah, c'est Madame Williams, quoi. C'est... Elle fait de son mieux. Hein. Ouais, bah j'imagine. Ça doit pas être facile de s'adapter à tous les véhicules. Ah bah elle fait de la... Déjà elle a essayé de... Elle a essayé de changer. Elle a recommencé à travailler, c'est déjà pas mal. Oui. Oui, c'est plutôt bien. Demain soir, elle fait son anniversaire. Ouais, j'ai vu la soirée Projet X. Mm-mm. On a été invité, mais je pense que c'était plus une blague qu'autre chose. Bah, je sais pas, nous elle nous a embauchés pour qu'on tienne le bar. Ok. Donc. Ah ouais. Elle vous a embauché. Ah ouais, mais vraiment, elle se donne à fond quoi pour son truc. Hmm. 20 ans, c'est pas rien. Hein. J'avoue. C'était il y a 17 ans quoi. Ouais. Ouais, c'était il y a 15. Ouais, 35 ans. Eh oui. C'est quand votre anniversaire? Le 30 septembre. C'est rigolo. C'est rigolo, ouais, moi aussi. Mais bon, depuis 6 jours, moi. Ah oui. Ouais. Terrible. Ouais. Ah, la vieillesse qui me rattrape. Tout ça parce que j'ai 10 ans de plus que tous les autres du commissariat. Ouais, c'est vrai que la vie là, beaucoup de jeunes. Ah bah c'est des gens actifs quoi, mais j'ai l'impression que passé 30 ans, ils ont tous envie de prendre leur retraite, c'est terrible. C'est ça, ils se sont déjà trop donnés. Quoique, je suis mauvaise langue parce que à ma droite là, y a le chauve, il en a bien 32 je crois, et M. Tinset, je crois qu'il a 36 ans, donc ouais. D'accord. Ah il est... Donc étonnamment, il y a potentiellement plus de personnages et de plus de 30 ans ici que de moi. Incroyable. Kevin vous a pas appelé? Est-ce qu'il m'a appelé? J'ai pas regardé mon... Non, il m'a pas appelé depuis... Il m'a zéro appelé. Ok. Pourquoi il devait m'appeler? Si c'était pour l'histoire de la couleur des cheveux, c'est non, hein. Non, non, non. Mais peut-être qu'un de ces quatre... il vous passera un coup de fil. Ok, bah, et oui, qu'il n'hésite pas surtout. Mm-mm. Il y a des problèmes? J'ai pas en parlé à sa place, mais disons que c'est possible qu'il ait besoin d'un petit coup de main. Enfin, de parler à quelqu'un. Ok, bien compris. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il s'est attiré des emmerdes avec quelqu'un ou c'est des problèmes perso, juste pour avoir cette... On va dire qu'il y a quelqu'un qui... qui lui veut peut-être pas du bien. Ok. Ok, ok. Bon, bah, bien compris. Nickel. En même temps, là, ces derniers soirs, j'ai pas trop l'occasion d'aller au bar. Donc, compliqué de le recroiser. Et vu qu'il fait plus d'excès de vitesse, bah, je le vois plus. Ah bah, c'est parce qu'il a sa nouvelle moto, il veut pas perdre de points, je pense. C'est bien vu, ça. Bah, le bar, on l'a pas ouvert hier. Mmh. Et je l'ai ouvert toute seule avant-hier, donc... Ouais, ok. Voilà, j'attends d'avoir un peu de monde avec moi pour ouvrir parce que il est possible que j'ai plus du tout envie d'ouvrir toute seule. Ouais, bah c'est compréhensible. Ouais, c'est clair. Donc voilà, j'espère que du monde va arriver et puis comme ça on ouvrira peut-être un peu. Comme ça les gens arrêteront de se plaindre sur Twitter. Ah oui, j'ai pu voir ça là. Attendez, des gens qui se plaignent sur Twitter? Un gars... Un peu plus de respect pour notre travail sans connaître. Bonsoir à la store, quand vous aurez un peu plus de respect pour notre travail sans connaître les conditions et les tâches que nous avons, peut-être que nous aurions les barres. Nickel. Nickel, c'est très bien. Très bonne réponse. Ça sent Madame P, ça. Ah, j'aime... Ouais, c'est clairement. Oh, mais les gens n'ont aucune race. Non. Anastasia. Oui. Salut, ça va? Salut. Je suis dépité. Ouais, ça va, merci. Pourquoi? Les gens sont des sales races. Ah bah oui, ça dépend lesquels. Il y a des gens qui se plaignent sur Twitter que les bars ouvrent pas. Ah oui, j'ai vu ça. Et à la store.
RGB a très bien répondu. Hein. Ah ouais, je pense que ça vient de Madame P. Ah oh bah oui, mais elle a bien raison. Hein. Moi, quand j'ai vu le message, j'avais très très envie de répondre, mais je pense que j'aurais été beaucoup moins... Va bien te faire enculer, sale merde. Point. Bah non. Alors, je serais peut-être pas allé jusque là, mais en tout cas, j'aurais pas su être aussi poli, ouais. Ah, les pensées derrière. Et d'ailleurs, t'as réussi à avoir le permis moto ? Oui. C'est bien. Grâce à mon ange gardien, Thomas. Une fois de plus. C'est grâce à lui que j'ai eu... J'ai réussi enfin mon permis voiture et... Oh, j'ai peur. Tu vois, ce Caracara, il serait magnifique en estampillé police avec des gyros. Oui, oui, mais j'ai du mal à imaginer qu'on pourra faire passer pour un truc sérigraphié, un truc avec une telle remorque. Eh si, on peut y ranger tout ce qui est plot, barrière de signalisation, c'est un, la moto. Tout ce genre de mail. Oui, s'il vous plaît. Comment ça va? Celle-là ou celle-là? Celle qui fume. Celle qui fume fort. Au monté. Comment on peut... Il va s'asphyxier, hein, avec toute la fumée qui sort de la moto. Ouais. Oui, ouais, je pense qu'on pourrait faire... Ok, et ben, c'est parti pour la facture. Des trucs dessus, là. Ah, pas sûr d'avoir envie de faire cuire un steak dessus. Enfin, non plus, je suis pas persuadé que ça soit une bonne idée. Ouais, c'est vrai, ça. Ah ouais? De quoi qui est vrai? Ah, bien sûr. On parlait de faire cuire un steak sur une moto qui est cassée. J'ai mal facturé, j'en sais rien. Bon, ouais, c'est legit. Hein. Ah non, mais ça me va très bien, moi. Ouais, ouais, c'est à qui? Ah, faut qu'elle soit bien. C'est à la Sultane Verte. Ouais. Ah, nickel. Et du coup, Sergent, vous avez pas répondu à mon SMS? Oui, je sais, je réfléchis. On en discutait justement. On en discutait. Mais ne le dites pas. Oh, non. Comme ça, moi, tu peux payer une blinde. Moi, franchement, je pense que. Allez, vas-y, donnez-moi une offre, tiens. Ah non, 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 mais non. Ah, sergent, je peux pas faire ça, ça va très mal se passer sinon. Parce que moi je veux dire que je vous la reprends pour 500$ avec très gentillesse. Ah ouais, non, ouais, ça va pas le faire. Ouais, mais voilà. $10, bah ouais, donc vous me proposez combien? Bah ça dépend, vous me proposez combien? Si, il a bien fait sa formation. 100 000. Ah oui, non mais, et vous aussi vous aimez jouer comme ça, parce que là vous me donnez juste envie de monter dollar par dollar. Donc je vais faire mon propre geste, je vais monter à 10 000. Je la joue malfra du coup. Bah allez-y hein. Bah du coup il propose 100 000 hein. Ah, vous continuez sur 100 000? Bah non. Et 3 secondes. Et voilà, c'est ça. Pardon, c'est un réflexe. Sinon je vais vous répondre 6 secondes comptées en Mississippi. Ah mais ça c'est les meilleures secondes. Et on veut que Cernine y parte de la chef d'heure. Ah, j'échange la gargouille contre une shafter. Ok, je vous achète une shafter et vous me donnez la gargouille. Non mais une shafter... Ah, vous avez dit shafter. Ah merde. Eh, Zedak, il est dans. Ce serait la comète Retro Custom, s'il vous plaît, au fond. La grise. Et pourquoi? Et bonsoir. Alors, je vais vous expliquer. Bon, bonsoir, sergent. Hein. Non mais je disais bonsoir au mécanicien. Oui, mais parce que là, le vent était très violent, donc je préfère... Ouais, déjà, je comprends pas quand il parle, donc en plus... Alors... Alors, comment ça? Bah, je comprends rien avec son accent, c'est pas ma faute. C'est comme Guerrero là, qui était là avant, là, c'est les mêmes. Non, c'est vrai, lui, je l'avais oublié. Sergent. Je l'avais oublié, lui. C'est pas les mêmes personnes, mais ils ont le même accent. Ah, je crois qu'il a failli vous faucher pour ce que vous dites, hein. Ouais. Je l'ai pas entendu. Enfin, je pense, j'espère. Je pense que ce serait terrible. Sergent, vis-à-vis de ça, s'il vous plaît, par contre. Parce que. Ah, c'est un peu raciste quand même. En dehors de ça, on va dire que. Ah bah, le deuxième Kara. Ah non, j'ai cru que c'était un Kara, mais c'est le conseiller, ça a le même bruit, ce truc. Oula! C'est qui ça? Alors, ça, c'est Monsieur Duncan, ça. Je pense que c'est potentiellement Monsieur Duncan. Ah. Attendez, je connais la plaque par cœur. Merde, je l'ai pas vu. Mais pourquoi globalement, on va dire que. Oui. Il n'est pas forcément qu'on parle de son accent. D'accord. En attendant. Ah, c'est pour ça qu'il m'a traité de bâtard l'autre jour. Ah, c'est Monsieur de la Croix, il a la langue facile. Bon, on en connaît des comme ça, vous savez, on les a tous eus. En attendant, sergent, vous m'avez toujours pas proposé. L'autre là, je suis comment il s'appelait. Vous m'avez toujours pas proposé d'autres tarifs, hein. Vous perdez pas le Nord, collègue. Bah non, moi je perds pas le Nord. Je sais pas, 40 000. Oh, ok, vous partez sur un 40 000? Ouais. Ok, bon bah moi je vais faire un geste, je vais monter à 15 000. Non, mais pour rigoler. Bah, ça dé... bah non, franchement. C'est sentimental quand même. J'avoue, dans ce cas, je monte à 16 500. Oui. Mais... ça marche. Ok. Bon, après, je vais voir avec le Weasel, hein, pour la mettre à vendre.
C'est dommage, je voulais la passer à un collègue et tout ça. C'est beau, sergent. Vous savez, ce genre d'émotion, moi, ça me touche au plus profond du cœur. Moi, j'ai rien, j'ai entendu un prix tout à l'heure. Vous en propose. Attendez, elle est custo ou pas? C'est une bonne question. Ah, d'accord. Dans l'optique où il y a pas de custo, je monte à 20 000. Non. S'il n'y a pas de custo. Alors. Allez, 28 000 à la limite. Alors, non, parce que, soyons clairs, elle coûte même pas 28 000, pas custo. Alors, avec les remontées qu'on fait. Mais je suis putain! Bon, après, si vous en proposez 28 000, moi je peux partir sur un 22 000. Non, mais elle en a vu des vertes et des pas mûres, celle-là. C'est une... Bah, justement, elle a justement. Hein. Bah, ouais, justement, elle a du vécu. Oui, oui mais je veux dire, comme dirait Titset, c'est une américaine, hein, ça, on peut. ça dure, hein. Bah, si vous voulez, on peut couper la poire en deux. On dit 26 000. Et, comme je suis généreux. S'il y a des custos, 30 000. S'il y a des custos, 29 000. 30 000. Ça dépend des custos. Oui. Du coup, on part sur un entre 20. Je pense qu'il y a pas de custos, mais... Ok, donc 26 000. 27 000, on a dit non. 28, on a dit. 27, non, ok, on a dit 27 000. Bon, allez, c'est bien parce que c'est vous. Ah, merci. Mais attendez, hein, c'est pas fait. Il y a une question. Et les gens qui ont des voitures déjà à l'épargne, est-ce que vous pouvez les bouger, s'il vous plaît, parce qu'on a plus des places? Ah oui, bien sûr, on y va de toute façon. Et la facture. Attendez, sergent, on se serre la main pour les 27 000. 370 000. Oh, l'Asias, vous êtes bien. Voilà. Et voilà, nickel, merci. Allez-vous. Hey, bonne soirée. Bonne soirée. Dans quel état il ramène ses caisses. Oh, il est beau. Je dis ça, je dis rien, il est beau quand même. 27 000 la gargote, je m'en sors si bien. J'aime bien passer devant. 27 000, j'ai 27 795. Sur mon compte, c'est parfait. Passer devant Mistral avec le Caracara. Bon, ils s'en foutent, je pense. Plaisir. Ouais, quand même. Bah ouais, je pense qu'ils s'en foutent, ils ont zéro Caracara. Ouais, tu casses mon délire. Bah, surtout que ça reste... Oui, je suis d'accord, ils vont pas attaquer un cible pour ça, mais ça sert à... Eh, mais t'es une génie, toi, hein. Pourquoi tu leur as foncé dessus? Alors non. Si, t'as complètement foncé dessus, hein. Non, ça a été relatif, là. Non, t'as tourné à droite pour le rentrer dedans. Non, justement, pour l'éviter. Alors, ouais, sauf pour moi, tu rentrais dans le... Non, je t'assure, c'est relatif. Parce que, pour moi, elle a reculé et j'ai voulu tourner pour justement l'éviter, mais non. Ça dégoûte. Ouais. J'entends des bruits super chelous. Je te rejoins juste après, faut que j'appelle Delilah, elle me dit des trucs chelous. Ah, ok. Je reviens tout de suite. Ok. Delilah, allô? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas réussi à manger. C'est rien. Je n'ai pas à bouger et... Ouais. Comment ça, t'arrives plus à bouger? Le docteur, il dit c'est des courbatures. T'es où là? Au SMS. Mais ça va, je me repose juste. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Je veux pas que tu sois fâché. Je suis pas fâché, Delilah. Je veux juste savoir. J'ai couru et j'ai nagé. Et
parce que j'avais peur que ça me rattrape sinon, mais je... Et du coup, tu t'es retrouvé à l'SMS. Ouais, bah, je me suis endormi dehors et après, j'arrivais plus à bouger et je voyais des étoiles, mais j'ai pas réussi à manger. Ah, ok. Mais c'est pas grave, je... Ça va, oui. Ça va, ça va. Ça a pas l'air quand même, hein. Ça a même pas l'air du tout, Delilah. Je suis fatiguée. Je peux continuer à avancer. T'es où à l'SMS? Oui. Ok. Je peux venir te voir? Oui, mais là je suis déjà dans le hall, donc bon. Quoi? Déjà quoi? Dans le hall du LSMS. Ok. J'arrive tout de suite. Ok. Oh, c'est terrible.
Et bonsoir. Comment vous allez? Moi, ça va très bien. C'était pour savoir si c'était possible d'aller voir Delilah. Ouais, elle est dans nos lits en fait. Oui, je sais, c'est pour ça. Faudrait voir avec elle si tu Je peux voir avec elle, lui voir si elle est ok pour voir la ai. visite. Oui, bah j'arrive, je vais Oh. ouvrir. Oui. Et vous, ça va, docteur? Ouais, j'ai eu un petit accident de moto hier soir, mais. Un grave, j'espère. Oh non, ça arrive, n'inquiétez pas. Et bonne prise de service. Bon, ça va, sinon c'est pas trop dur en ce moment le SMS. Non, ça va encore. Bon, tant mieux. Il y a un changement. Quelques petits changements dans la direction, mais ça va encore. Ah bon? Oui. Bon, après, j'y connais rien à la direction du SMS. À part que bah, Madame Ortiz, c'est la directrice, mais sinon. Sinon, j'en sais que dalle. Ah, les gens qui insultent les barman sur Twitter, j'ai envie de crever par contre. Comment ça? Enfin. Cette merde. Oui, c'est quand que les bars. Ouais. Ah oui, je l'ai vu hier soir, Les bars, celui-là. quand-ils réouvrir un jour, ont-ils mis la clé sous la porte? L'époque où il y avait deux bars distincts et pas de RGB, me manque. J'ai envie de claquer des gueules. Hein. Voilà, en vrai, c'est un problème avec. Ah. Eh bien, écoutez, suivez-moi, je Bon, vais laisser nickel. mon collègue aller vous chercher. Ok, bah du coup, je vous demander de me suivre, on va aller voir votre ami. Merci beaucoup, docteur. Et merci, je vous suis. Pas de soucis. Sinon, comment ça va? Enfin, je sais que je lui pose la question, mais bon, c'est le genre de choses de politesse. Oui, Je dois non, moi jouer un ça peu va. plus Là. sérieusement. Moi, là, ça va. Ça fait quelques jours que je me suis. Ouais. Ça fait plus de 2 semaines que je me suis pas fait abattre, donc j'en profite. Ah! Ouais. Bon, si vous le dites, Mais du coup, moi, c'est bien, c'est évitez tout ou quand même. rien. Sinon, je me blesse jamais. À part pour des trucs comme ça. Évitez quand même, c'est jamais bon, même si je sais qu'on choisit pas. Mais du coup, voilà. Promis, je ferai attention, docteur. Mais du coup, je vais vous laisser. S'il y a besoin de quoi que ce soit, il y a le beeper à côté. Bien sûr, merci beaucoup. Pas de soucis. T'as besoin que je lève les bras aussi. Non, c'est bon. Ouais, ok. Ah. Et il y a Monsieur Bird qui m'a appelé. Qu'est-ce qu'il voulait? Me demandait si j'avais des nouvelles de Jane. Ok. Tu lui as dit quoi? J'ai dit que j'avais pas une nouvelle. Ok. Comment tu vas? Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé hier du coup? Genre, ouais, j'étais au téléphone, mais j'étais en même temps en train de courir, donc ouais, compliqué. Un peu chaud. Je voulais nager. Et puis j'ai nagé. Et j'ai couru. Et je voulais pas penser. Et d'habitude, je marche juste et ça suffit. Mais là, ça suffisait pas alors. Ouais. Ok. Et ouais, du coup, J'ai pas géré. J'ai pas géré. J'arrivais pas à appeler à l'aide. c'est tout ce que je veux, Delilah, que tu saches appeler à l'aide. Oui, mais je sais pas comment faire. Me doute que ça. Que c'est plus que difficile.
Et je m'en veux de pas avoir pu être là pour toi quand on avait besoin. Mais je m'entends. Je veux pas que tu te sens à la cause de moi. C'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi, j'étais pas là. Mais je t'ai pas dit que ça allait pas. Oui. Je savais pas. J'essayais d'aller bien et du coup, j'ai pas réussi à comprendre que ça allait pas avant que. Pourquoi ça allait pas hier? Je sais pas trop. Il y a quelque chose. Je suis pas très sûre de comprendre. Je crois qu'il y a plein de trucs et. Je crois que c'était vers cette période-là que. Je suis pas sûre parce que c'est flou, mais je crois que c'était un peu après mon anniversaire. Est mort et je sais pas si c'est ça, je sais pas, j'arrive pas à comprendre parce que et il y a l'appartement où j'arrive pas à aller et je. Et il y a Abby que je voudrais aider, mais il y a des choses que je peux pas faire et je force un peu et je peux pas. Et j'ai l'impression de connaître plein de monde et de connaître personne à la fois. C'est terrible. Par quoi je peux commencer? Tu sais comment appeler à l'aide, toi? J'ai jamais su appeler à l'aide. J'ai jamais vraiment appelé à l'aide qui que ce soit, pour être honnête. J'ai eu cette chance d'être. De pas avoir besoin d'appeler à l'aide. Il y a quelques. Un moment où tu avais besoin. Ouais, mais j'ai eu la chance de tomber sur la bonne personne au bon moment. Ouais. Je dirais que ça m'est arrivé deux. Ouais. Il y a eu deux fois dans ma vie où. Peut-être trois. Deux fois dans ma vie où il y a des personnes. Où j'avais besoin de quelqu'un et des personnes ont pu être là. Mais c'est tout. J'ai jamais su comment appeler à l'aide. Et du coup, je sais que c'est dur. C'est tellement dur. C'est. Entre ça et tout ce que tu vis en ce moment, tout ce que tu essayes, tout ce que. Tout ce que tu affrontes, ça rend que les choses encore plus difficiles, c'est sûr. J'essaye.
Je sais que t'essayes, ça j'en ai aucun doute, Delilah. Après, c'est ce que je t'ai dit. L'important, c'est de faire de son mieux. Si t'y arrives pas, c'est pas grave. C'est triste. C'est dommage s'il le faut, mais c'est pas grave. J'aimerais vraiment que on trouve un moyen pour toi, pour t'aider à appeler à l'aide. Parce que j'ai envie de pouvoir être là. J'ai envie de pouvoir être là pour t'aider. J'ai tellement peur de trop compter sur toi et que je veux pas t'étouffer, je veux pas te faire de mal. T'es là et là. C'est quelque chose que je veux être là pour toi. Mais est-ce que ça va pas être trop? C'est-à-dire ça va être trop. Si je demande trop d'être là et tu ne demanderas pas trop, Delilah. Je sais pas. S'il y a besoin que je sois là, je serai là. Si t'as envie que je sois là, je serai là. Des fois, malheureusement, des fois, ce sera plus compliqué. Des fois, je pourrai tout simplement pas être là. Mais je ferai toujours tout pour être là. Ok. Je vais essayer de t'appeler à l'aide. Mais je... Ouais. Je peux pas promettre que je vais y arriver. Bien sûr. C'est normal que tu puisses pas y arriver la première fois. T'y arrives pas la deuxième, t'y arrives pas la cinquième, t'y arrives pas la centième. On n'a pas des compétences innées dans ce genre. C'est juste par l'essai, la persévérance et... Et ouais, toujours faire de son mieux, quoi. Ok. Si t'as besoin d'appeler à l'aide, toi aussi, tu sais. Oui, bien sûr. Ok. Merci. Je crois que j'arrive de nouveau un peu à bouger. Ah ouais? Ça fait un peu moins mal. Le docteur, il m'a dit que c'était bien. Et puis ce qu'il a dit, c'est des micro-déchirures dans les muscles. Et ça veut dire qu'ils se renforcent. Je sais pas, j'ai pas compris. Ah, je t'avoue, ouais. Là, tout ce qui est médecine, je vois que... Ouais, je comprends pas. Autant je vois que ça... Ouais, visiblement, il s'est passé des trucs, mais... Tu veux bien m'aider à essayer de me... Bien sûr. Je voudrais m'asseoir. Ouais, j'arrive. Ouais. Vas-y. Hop. Je suis là. Nickel. Ok. Ça va, tu tiens? Oui, ça va. J'ai un peu mal, mais ça va. Bon, non. Oui, bon, moi j'arrive à bouger. C'est déjà ça. Ouais. T'arrives à bien te tenir droite. C'est le principal. D'ailleurs, t'as réessayé de manger, de boire ou t'es toujours...
J'ai pas réessayé. Ok, bon. Le docteur, il m'a dit tout à l'heure quand il m'a réveillé, mais. De toute façon, faut faire ce que disent les docteurs dans ce genre de cas. Oui, bah, il m'a dit qu'il fallait que je mange, mais j'ai pas trop réussi. Bah, c'est parce que j'avais trop mal, j'arrivais pas à me. Oui. Quand ils reviendront, tu leur expliqueras que t'arrives pas à manger. Ouais, je sais que j'arrivais pas à mâcher parce que c'est trop mal. Mais là, si ça va un peu mieux, je vais essayer. Putain, qu'est-ce que tu t'es fait? Parce que c'était mal de partout comme ça en plus, ouais. Bah, j'ai couru, puis j'ai nagé, puis il y avait les rochers et la tempête. Et. Ouais. Ouais, quand même. Bah, je suis pas tombée, juste. Tu te souviens vers où t'as nagé? J'ai fait le tour de l'aéroport. À la nage? Ah ouais. Bah, ouais, j'ai couru un peu aussi sur les bords. Ouais. Au moins t'as été. Ouais. Au moins là ça va, t'es. En sécurité, t'es au LSMS. Oui. Il y a les médecins qui sont là pour prendre soin de toi. Oui. J'aurais dû appeler à l'aide hier, mais je. Oui. Bah. Si ça doit se reproduire, ce genre de situation. Ouais. T'essaieras. Oui. Si t'y arrives pas. C'est dommage. Mais tant que il t'arrive rien d'irréversible, c'est pas grave. Tu fais de ton mieux, Delilah, et tu fais beaucoup de choses. Oui, d'accord. J'ai récupéré mes chaussures. Ouais. Mais je vais me montrer. Ouais. Tu les as laissées à la plage, je suppose. Ouais. Oui. Mais je les avais mis dans ma voiture parce que je pensais juste nager un peu. Et... Ouais, j'ai nagé beaucoup. T'inquiète pas, je demanderai un taxi. De toute façon, moi j'ai pas de voiture, donc compliqué. Mmh. Pas de voiture. Non, j'étais allé au commissariat avec Anastasia, elle m'avait emmené dans sa voiture et du coup j'ai couru depuis le commissariat avant de venir ici. Des étoiles un peu. Ouais, merde. Tu peux m'aider juste. Ouais, vas-y. Soit qu'il va s'acheter, soit on peut appeler, essayer d'appeler les médecins, mais. Vas-y. J'ai ça qui m'a donné tout à l'heure. Ok. Ok, ça va? Par petit bout. Oui. Ça va? Oui. Bon, tant mieux. Déjà, si t'arrives à remanger, c'est un bon signe. Ouais. Mais ça va aller. Je vais voir avec Abby et... Ouais. Voir quoi avec Abby? Le travail parce que ouais, il va y avoir on va devoir gérer des événements, ouais. Beaucoup, et ouais, j'essaye d'aider comme je peux, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et ouais, vous êtes toujours que deux, je suppose. Il y a Moka et la Thé aussi qui sont toujours là pour le moment. Ouais, mais ils bossent pas, quoi. Bah, hier, ils ont travaillé un peu, mais il était tard, et nous, on avait déjà fermé le restaurant. Ok. Donc, ouais. Mmh.
C'est normal. Tu es très allongé. Je voudrais récupérer mes chaussures. Je vais. Ouais. Elles sont dans ta voiture, c'est ça? Oui, je vais appeler un taxi. Parce que elle est où ta voiture? Au parking de la plage. Ouais, c'est loin. Oui, je vais les appeler et. Déjà, faut voir ce que vont dire les médecins. Est-ce que tu peux sortir dès maintenant ou pas? Bah, je pense. Il avait dit juste me reposer 10 minutes. Ça fait quand même vachement plus de 10 minutes. Ok. Bah, déjà, appuie sur. Vois un message au beeper. Oui. Ok, j'ai appuyé. Bon, bah, c'est déjà ça. Ils vont pas tarder. Parce que là, ouais, du coup, tu vas aller récupérer tes chaussures et après, tu veux faire quoi? Oui, je vais peut-être demander à Abby si elle peut venir me chercher, comme ça, je serai tout seul. Et. Et bonsoir, docteur. Non, je vous ai pas vu arriver, vous. Ah, oui, vous étiez le beeper de tout à l'heure. Oui, c'est ça. Aussi. Tu te sens un peu mieux, Delia? Un petit peu, oui. D'accord. Tu veux sûrement sortir avec ton ami? Oui. Pas de soucis. J'ai fait très attention à toi. Oh, oui, j'essaye. J'ai réussi à manger un peu. Oui. D'accord. J'essaie de me relever. Ok. Vas-y, doucement. Oui, voilà. Ouais. Ah, tu veux de l'aide? Ça va, ça pique un peu les pieds, mais ça va. Tu m'étonnes. Oui. N'hésite pas à t'appuyer sur moi. Oui. Tu veux que je te donne une canne pour t'aider à marcher? Ça. Je sais pas. Ça t'évitera d'appuyer trop sur tes pieds. Après, je vais voir. Aïe. Attention. Que je récupère mes chaussures. Donc ça t'es pas trop écorché sous les pieds? Un peu, vu que j'étais ouais. Pieds nus. Forcément. Oula. T'as dérapé un peu. Ouais, oui, Mimus, ça m'arrive aussi, des fois. Tiens, voilà la canne. Ok. Voilà. Ouais. Allez, venez. Doucement. Voilà. Je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée. Et merci beaucoup, docteur. Bien sûr. Allez, hop. Faut que je prenne un taxi. Je vais, oui. Je vais mettre sur un banc dehors. Et, ouais. Oui. Ok. Il n'y a pas de morceau de verre par terre. Ça devrait être ok. Ouais, non. Eh bien, on se plus comment. Oui. Hop. Oula, ouais. Quoi? J'ai du mal à gérer le banc et tout. Ok. Oui. Taxi. C'est pas trop le bordel. Non, pour l'instant ça va. Bah, techniquement, je peux prendre ma soirée, donc en vrai. Vu que de toute façon, je dois me coucher dans 2 heures. Oui, c'est vrai qu'il faut que tu
cauchemar. Ouais. Bah, c'est pour ça que de base, je te proposais qu'on fasse une petite soirée demain et qu'on aille dormir ensemble à ton appart, mais si tu préfères, on peut faire ça ce soir. Mais du coup, je me couche tôt, quoi. Bah, oui, on peut. Ok. Comme ça, oui, comme ça, je peux me reposer un peu aussi. Bon, bah, nickel. Prévenir Anastasia, que je prends ma soirée, du coup. Tu lui as demandé pour le surnom ou pas? Ah non, pas encore. Moi, je lui demanderai demain. Ok. Taxi, oui. Il répond pas pour le moment. Le taxi répond pas, ils doivent être occupés, je pense. Je ne suis pas trompée vraiment. Non. Pour l'instant, ça a l'air d'aller au boulot. Oh, ok. Tant mieux si c'est pas... Oui. C'est pas trop le bazar. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'elle s'est fait mal. La boîte. Je... Oui, elle a eu un accident de moto. Ah, ah bon. Comment elle me l'a dit tout à l'heure. Ah, quand je tendais dans le hall. Oui. Ah, ça y est. Ah. Oui, le taxi. Bon, tant mieux. Ça va, t'as pas trop mal? Ça va, un peu. Là, je sens. C'est comme mes muscles, ils étaient. Je sais pas trop. Ça fait mal quand je bouge. J'ai un peu du mal à bouger. Mais ouais, ça t'es va. Engourdi quoi. Enfin, t'as des. Des. Comment on dit, des courbatures. Je suppose. Oui. Des courbatures, des crampes, un truc dans le genre. Oui. Et les écorchures? Je crois que c'est quand
parce que j'étais pieds nus. Et puis il y avait des rochers autour de l'aéroport. Alors quand je nageais, ça a râpé. Ouais, donc faut faire gaffe à ça. Surtout si t'es dans l'océan avec tout le sel, ça a pas dû être bien. Je sais pas. Il a dit qu'il avait mis de la pommade. Bon, c'est tant mieux. Mmh. Ils sont là. Oui, c'est Billy Joe. Ouais. Oui. Je t'aide à monter. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y. Oui. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez peut-être une petite. Allô? Billy Joe. Madame Peters. Oui. Ça sent la mutite. Hein. Oui. Ça n'a pas l'air d'être une petite mutite. Ouais, ça a l'air compliqué. Oui, c'est compliqué, oui. Ah, oui, c'est bon. Ça va mieux. Ok. Ça va aussi, du coup, oui, on était très silencieux, du coup. Oui. Oui. Ce serait pour aller au parking de la plage, si c'est ok. Oui, bien sûr. On est bien d'accord que c'est ici. Je regarde le GPS. Ouais, celui tout au sud. Oui, oui. C'est ça. Eh bien, c'est parti. Merci. Parfait, merci beaucoup. De rien. J'espère que c'est pas trop grave. De quoi? Non. Bah, madame est sortie du SMS avec la canne qui est... Oui. Non, c'est juste que j'ai pas mes chaussures et du coup, bah, ça appuie un peu... Bon, ouais. Du coup, le médecin a donné une canne pour aider à compenser. D'accord, d'accord. Sinon, votre journée se passe bien? Bon, pour l'instant, ça va. J'ai une journée sans travail perso, donc ça va mieux que d'habitude. Ouais, j'en ai off. Donc, je considère ça comme une bonne journée. Oui, j'imagine. L'équipe avec les chiens, elle est en journée off aussi. L'équipe avec les chiens K-9. La K-9, bah en fait la K-9 elle fonctionne. En fait les chiens à Los Santos, les chiens ils sont gardés au commissariat de Vespucci. Ok. Et si la division K-9 de Mission Row, donc notre commissariat, veut les chiens, faut qu'ils préviennent un peu de temps en avance. Et s'il y a des chiens dispo. Okay, on les récupère. C'est ça ce que je me disais. Ils sont okay. pas constamment avec Oui. D'accord. Je me demandais. Pas mal maintenant si vous avez une brigade canine. Ouais, on a une belle brigade canine. On est 4 maîtres chiens maintenant. Ah oui. Ouais. Dont moi. C'est très bien. Oui. Ça va, les chiens du coup ils sont tout petits? Non, ils sont beaux. Ah oui? C'est des beaux gabarits, ouais. Je pensais qu'ils en donnaient à un petit et que. Bah, du coup, pour s'habituer à la personne, etc. Non, nous du coup on en a, c'est des chiens de police qui sont déjà élevés. Enfin, ils sont élevés et dressés des 6 mois, mais là ils ont 4 ans. Ils sont dressés pour venir aux ordres. Je prends la facture. Non, je fais les calculs parce qu'on a des nouveaux prix. Ok. Un hélicoptère qui se casse la gueule. $275, s'il vous plaît. Eh ben c'est nickel. Et la facture? C'est payé. Et merci à vous. Alors, je peux vous offrir un jus de raisin?
Ah bah, c'est fort volontiers. Il me reste plus qu'un par contre, parce qu'on a pas... C'est bah, récupère-le. Ok. Moi, je peux vous donner un thé, mais si on n'est pas en partenariat. Non, c'est... Ok, je sais pas, Victor, tu veux du thé? Non, ça ira. Gardez-le pour vous, madame Peter, ça donnait juste... juste raisin. Merci. Il va tenir. Et bah, bonne... Merci bonne beaucoup. Soirée, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Courage. Au revoir. Ben, au revoir. Je vais récupérer mes chaussures. Ouais, on y va. On attend qu'elle reparte. Attends. Oui, faut pas embêter le taxi. C'est ça. Bah là, on est. Ouais. Ok, en fait, si. Ouais, vas-y, sors, elle a pas l'air de bouger. Et merci. Ah. Ouais, super. Bah, comme ça, je peux aussi récupérer mon bonnet. Voilà. Nickel. Ok, je laisse la cam dans la voiture et puis je la rendrai après. Oui, tu la rendras plus tard. Ok. Je sais pas trop ce qu'on fait. Bon, ça dépend déjà. Est-ce que tu veux déplacer ta voiture ou pas? Pas forcément. Ok, bah on peut se déplacer à pied. Si t'as pas trop mal. Un peu. Ouais. Yes. Et bah, on prend ta voiture, on va récupérer peut-être une des miennes ou alors on roule avec la tienne. Oui, si t'es ok pour la conduire. Mais ça me va très bien de conduire ta caisse. Ok. Si toi tu veux bien que je la conduise. Oui. Bah parfait. Et madame, votre carrosse. Oui, je suis bien attachée. Tant mieux. Et c'est parti. Tu sais, il y a... je me pose des questions en ce moment parce que... les gens... Quand je leur dis que je fais peur aux gens dans la rue ou que je les mets mal à l'aise, ils n'arrêtent pas de me dire que je fais pas peur. Et ça fait bizarre parce que bah, c'est comme si tout ce qu'on m'avait dit avant, bah, comme si je l'avais inventé. Et à la fois, c'est gentil de dire que je mets pas les gens mal à l'aise, et à la fois, je sais pas. Du coup, j'ai du mal à le croire. Que tu mets pas les gens mal à l'aise? Oui. Bah, est-ce que t'as encore l'impression que tu... Enfin, est-ce que t'as l'impression actuellement que tu mets les gens mal à l'aise, même s'ils disent le contraire? Ça dépend qui. Il y a des gens, ça va. J'arrive un peu à communiquer, je fais de mon mieux. Il y en a qui sont quand même mal à l'aise. Mais, ouais. Mais on m'a tellement dit pendant longtemps que j'étais bizarre et que du coup, me répéter que c'est pas le cas, c'est... Ça te fait bizarre, ouais. T'as pas l'habitude, ouais. Au final. C'est confus. Ça te fait bizarre que les gens te disent pas que t'es bizarre. Bah, surtout qu'ils me disent que je le suis pas. Ouais. Bah, moi, je te trouve pas bizarre. En tout cas. C'est vrai. Vrai de vrai. Vrai de vrai. Ok. Bah tiens. Bah, oh, c'est... Ouais, je la reconnais de loin. Une belle chevelure. Bah, c'est son taxi. Ils ont des couleurs particulières. Ouais. Mmh.
l'ai croisé hier, Billy Joe. Ouais. Bah, je suis pas sûre qu'elle m'ait reconnu. De loin un peu. Elle était avec des gens, mais ils sont restés séparés longtemps. Ok. Putain, elle me fait peur la lumière. Pourquoi? Parce que c'est allumé d'un coup. Ouais. Et moi j'ai peur de... Ouais. Des bruits. Des trucs qui font... Oui. J'ai peur de beaucoup de choses. Ah bon? Ouais. T'as peur de quoi? T'as pas peur des chiens? Non, j'ai pas peur des chiens. Oui. Je les aime bien. Qui dit la peur des chiens, mais il veut pas le... Il veut pas l'avouer. Ouais, je m'en souviens, l'autre jour il l'avait bien gueulé contre les chiens. Ouais, bah, il préfère dire qu'il les aime pas et qu'ils sont tous nuls, mais en fait c'est qu'il a peur. Ouais, bon, bah, je m'en doutais un petit peu. Hein. Ouais. T'as peur de quoi alors? Peur de beaucoup de petites choses, je suis surpris facilement. D'accord, si tu sursautes. Ouais, je sursaute rapidement, j'ai... J'ai peur de pas mal d'insectes, de petites bêtes. Ah bon? Ouais. D'accord. J'ai peur des clowns. Ah, oui. Un peu. Promis, après... j'ai pas de costume de clown. Non, après ça va, ça dépend en général. Si c'est un clown, ça va, c'est... Oui. Les images qui me sont restées depuis l'enfance de hordes de clowns, ça m'a fait peur. Ah, oui. Mais sinon... Enfin, quand j'étais petit, j'avais peur des chiens. Ah bon? Quand j'étais petit, ouais. En vrai, c'est... Je pense que c'est comme ça que je... calculerai ma maturité. C'est que quand j'étais petit, j'avais peur de tout. J'avais peur du noir. C'est ça. J'avais peur des chiens, j'avais peur du noir. J'avais peur de la solitude, j'avais peur d'avoir mal. J'avais peur d'à peu près tout ce qui était possible d'avoir peur. J'ai peur de la solitude aussi. Mais oui, du coup, la vie est un peu compliquée. Je devrais en avoir moins peur maintenant, peut-être, vu que je la vis. Mais c'est pas le cas. Ouais, la solitude, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose qui est facile avec lequel gérer. T'as été tout seul. On reçoit des messages très bizarres. Ah bon? Ouais, attends deux secondes. Oui. Ok. Bah, du coup, tu disais quoi, pardon? T'avais peur d'être seul? Non, je te demandais si toi t'avais été seul. Quand j'étais adolescent. Enfin, t'es pas seul, j'avais toujours ma mère, mon père, mais je les voyais pas. Et techniquement mon petit frère, mais bon, à l'époque... Pourquoi tu les voyais pas? Parce que... C'est paradoxal, mais... J'avais peur d'être seul et j'avais peur d'être trop entouré. Et vu que je passais mon temps à m'engueuler avec eux, bah... Je faisais en sorte de pas être avec eux. Oui. Et à l'époque, mon frère, bah... J'avais quoi, 15 ans? Lui, il en avait 8. Pour moi, c'était... C'est plus un petit truc chiant qu'autre chose. Oui. Et au final, bah, j'ai vécu la solitude. J'ai pas vécu la vraie solitude. J'étais juste solitaire. C'est pas spécial. C'est quand même une petite
Ouais, disons que j'ai commencé par vouloir être tout seul pour au final être beaucoup plus tout seul que je l'aurais vraiment voulu. J'ai écarté toutes les personnes qui auraient pu ressembler à des amis. Je les ai fait fuir. Je me suis éloigné. Oui. C'est fait exprès et... Bah malheureusement, quand j'ai voulu faire marche arrière, c'était trop tard. D'accord. Je sais pas trop ce que ça fait. Parce que bah, des amis, j'en ai vraiment eu. Pas beaucoup. Du coup, je sais pas. Après, peut-être que c'est ce que je fais un peu en essayant de pas aimer les gens. Je me ferme. Ouais. Et peut-être que ça les éloigne aussi un peu, je sais pas. Bah, forcément, si t'as pas... Enfin... Si t'as pas envie d'être trop proche des gens... Oula. Si t'as pas envie d'être trop proche des gens, forcément... C'est pas que j'ai pas envie. Oui, c'est que tu... Ouais. C'est bien, c'est juste que... Vu que c'est compliqué, forcément, les gens, ils ont pas tous... Pas tous le truc, quoi. Ils savent pas tous comment s'y prendre dans ce genre de cas. Clairement, moi non plus. Disons que j'essaie de me détacher un peu et de pas... Oui. Des fois, j'arrive pas trop. Et des fois, je... Oui. Je me sens peut-être un peu trop... amical. Même si je fais pas exprès. Tu te montres trop amical et du coup, les gens... Ouais, peut-être. Je... Parce que je veux être gentil. Ouais. Mais du coup, si tu veux être gentil, enfin, après c'est normal que les gens, bah, ils t'aiment bien. Et ouais, ils ont envie. Ouais. Voilà. Oui, c'est compliqué un peu le tournant. Voilà. Voilà. Oui, c'est mieux. C'est vrai que j'essaie de pas aimer les gens, mais à la fois, bah je veux pas être toute seule. Alors, bah, je discute, mais j'ai l'impression que j'essaie plus de passer le temps et pas de créer quelque chose. Bah, après, oui, clairement, ça crée ce décalage avec les gens où, bah, eux, ils ont envie du coup, potentiellement, d'être proches de toi. Oui, bah, c'est ce qui s'est passé. Passer avec Kid. Et oui. Mais du coup, bah, il a voulu. Bah, il voulait être ton ami et que, bah, tu l'aimes autant qu'il t'aime, quoi. Bah, j'aime bien passer du temps avec lui. Et je lui ai demandé de réfléchir encore un peu. Ouais. Vous êtes reparlé depuis? Ah ben. Il vient de m'envoyer un message. Quand on parle du loup. Je crois qu'on a discuté par message un peu. Je lui ai dit bonjour au top de box. Mais ouais. Il est un peu occupé, oula. Ouais. Il est un peu occupé avec à son travail et puis Marche qui est... Oui, je sais pas si Marche il va mieux ou pas trop. Je sais pas, j'ai pas spécialement l'impression qu'il aille mal. Ouais. Après ces deux derniers jours, c'était plus compliqué, mais en service ça a l'air d'aller.
Mais le truc, c'est que... j'ai pas spécialement envie d'aborder ça avec 03, on lui dit, enfin avec Marshall, en lui disant ouais, du coup, comment ça va, est-ce que tu vas mal, est-ce que tu te sens bien, parce que bah... En fait, j'ai pas envie qu'il pense que je le prends pour un gamin, parce que pour le coup, je le prends pas pour un gamin. Oui. Même si factuellement, c'en est encore un. Oui. Moi, j'aimerais juste que bah... qu'il se permette de parler, de me parler. Oui, parce que même si c'est... Même les enfants, c'est des êtres humains à part entière. Les enfants, bien sûr, malheureusement, bah, les gens ont tendance à penser que c'est parce que t'es un enfant que t'as besoin d'aide, et après c'est ok, mais c'est faux. Tout le monde a besoin d'aide, tout le monde a besoin de parler tout le temps. Ouais. Ça va, ça roule bien, en vrai, la Berlingo. Oui. Bah, je sais qu'elle est pas très très puissante, mais du coup, justement, j'arrive mieux à gérer... Ouais. Oui, logique. J'ai pu voir les deux... Mince, tu t'avais dit que il y avait un nouveau cadet qui avait été surveillant. Ouais, et qu'il connaissait Oui, les deux. De la Rose Santos. Ouais. Bah, je les ai rencontrés. Ouais. Je sais plus, je te l'avais dit ou pas. Non, ils sont en Bénise. Oui, c'est vrai. Et la plus jeune, elle dit qu'elle a fait des études de mode. Ouais. Elle m'a dit qu'il y avait une de mes tenues qui était dégueulasse aussi, mais... Oh, Mickey. Mais c'est parce que j'avais... Mais non, mais c'est parce que j'ai cru que c'était du gris foncé alors que c'était du bleu. Ah. Et du coup, bah, oui. J'avais pas bien vu. Après les deux... Ah, c'est pas des personnes très diplomates, quoi. Bon, bah oui. Et la sœur, c'est la moins pire des deux. Ils sont pris un coup de pression du Mistral. Parce qu'elle a dit à Jarod que son chapeau, il était bizarre. Ah non, mais c'est terrible, hein. Ouais. Bah, le frère, il s'est pris une amende. Je me souviens. Et ça tire bien des emmerdes, les deux. Oui. On est d'accord que les policiers, je dois pas les appeler Poyos, on est d'accord. Oui, non, faut pas appeler Poyos, tu les appelles les policiers. Les flics, ça va pas. Si, les flics aussi, ça passe. Ouais, ok. Mais après, tout dépend de la manière dont c'est dit aussi. Oui, elle m'a dit de les appeler comme ça en face. Elle m'a dit si, ils connaissent. Parce que j'ai dit, bah, s'ils parlent pas espagnol, je vais pas les appeler comme ça. Bah oui. Ils vont pas comprendre, mais si, ils vont comprendre. Bah oui, on comprend, sauf que c'est une insulte. Ok. Ah, se faire appeler les poulets, c'est pas sympa. Oui. Bah, des fois, je l'avais fait, mais c'était pour rien. Oui, et puis, il y a une différence entre... Même elle, typiquement, qui, au début, nous appelait les poyos, mais qui se reprenait, voilà. Et son frère, qui nous appelait les poyos, et nous insultait ensuite. Ouais. On n'est pas des cons, on sait très bien que, bah voilà, la police... On n'est pas spécialement des gens populaires de ouf. La loi, c'est chiant. Mais bon, quand il y a les petits cons qui font... C'est pour ça qu'on essaye d'être indulgents, mais au bout d'un moment... On va arrêter de... De se foutre de notre gueule. Est-ce que ça... Ok. Ah, c'est les messages en bas. Il y a des messages bizarres. Ouais, non, ça c'est pas les messages bizarres. Je regarde juste où est-ce que ça se passe, certains trucs. Ok. Tu sais que elle a le même nom que je
Sébastien avait parlé, je crois, à la personne qui disait qu'elle serait plus forte que la fumée. Oui, ça me dit un truc, oui, effectivement. Oui. Ouais. Elle a le même prénom. Ok. Elle lui ressemble pas. Ouais. Elle était pas pareille, mais ça m'a fait bizarre quand elle m'a dit son prénom. Mais ça, les coïncidences de prénom. Oui. Je sais plus la période à laquelle elle est morte. Oui, j'étais déjà dans le flou à ce moment-là, alors je sais plus. C'était il y a longtemps? Il y a 2 ans, je crois, à peu près, pas avant que je me fasse hospitaliser. Oui, parce que du coup j'y avais cru et que ça avait tout. Ouais. Oui. Ça c'était pas bien fini. Ouais. Je vais pas te dire que je suis plus fort que la fumée. Mais je sais que je vais pas mourir. T'es déjà venu ici? Ça me dit rien. C'est quoi? C'est chez des gens? C'est un petit hameau de pêcheurs. D'accord. Petit lieu de rendez-vous. Mais c'est tranquille. Il pêche. Ouais. T'as déjà pêché, toi? Ouais, ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de faire des petites sorties à la pêche. J'aime bien. J'ai jamais fait. Alors, c'est particulier, mais c'est rigolo. Faut avoir la patience. Mais c'est très satisfaisant et quand tu pêches et tu pêches ton propre poisson et que après tu t'en occupes toi-même, bah c'est un truc quand même. Après tu manges les poissons. Ouais, oui. Ah bah un requin ça mange du poisson, oui. Oui, des fish burgers. C'était très bon. Je suis content aussi. Si ça t'a plu. Bien sûr que ça m'a plu. On peut aller sur le ponton. Ouais, bien sûr, juste je finis de noter un petit truc. Ouais. Je vais te rappuyer sur moi au cas où. Ok, oui. Ou juste me donner la main, c'est comme tu veux. Je vais m'appuyer un peu, comme ça j'appuie moins sur les pieds. Et ça sent un peu le poisson. Je sens pas très bien les odeurs là, ça peut sûrement sentir un peu plus fort que ce que je sens. Ouais, ça sent peut-être un peu plus fort, ouais. Oui. Enfin, j'ai vécu
Pas mal d'années avec mon frère, je suis habitué aux fortes odeurs. Ah oui, il sent fort. Non, je dis ça pour être méchant avec lui. Ah bon. Je sais pas, vu que je sens pas trop les... Ouais. Attends, c'est un très bon endroit pour le soleil ici quand même. Pour le soleil. Ouais, bah là il est quasiment pile en face du ponton. Oui. C'est vrai. Et à l'est. Pas tout pile poil, mais pas loin. Quand on était encore en train de marcher, il était plus en face. Oui. Parle avec Kid. Non, là, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au restaurant une fois. C'est qui? Il s'appelle HD. Ok, je connais pas. Oui, elle est gentille. On doit aller voir des créatures marines ensemble quand elle sera disponible. Oh. Bon bah ça va être bien. Oui. T'as déjà vu des animaux marins? Pas trop. Oui. Bah, disons vers la plage, là où je pouvais aller à pied, il n'y avait pas... Ouais. C'est une plage à touristes, il n'y a pas vraiment de... Ouais, c'est sûr. D'animaux marins. Du coup, bah... Ouais. Quand il n'y a pas d'animaux marins, hein, on voit pas d'animaux marins. Bah oui. Oui, elle voulait m'emmener dans un aquarium pour que je puisse voir des méduses. Ouais. Jamais aller dans un aquarium. Bah moi non plus, du coup. Ouais. Oh, forcément. Oui. Ouais, les gens ils t'emmènent voir des animaux sous-marins, des trucs stylés. Moi je te propose de voir les roquilles. Super. Ouais, c'est bien. Moi je veux voir quelque chose que t'aimes. Oui. C'était bien la boxe d'ailleurs. Oui, c'était bien. Abby, elle a gagné. Je sais plus contre qui elle était, mais elle, oui. Bah, elle pensait pas forcément participer à la base, du coup, elle, oui. Elle n'était pas prête à la quand même gagner, elle est forte. Bah, elle a travaillé à G6 avant, du coup, elle a l'habitude de, oui, de se battre. Logique. Mais ouais, elle a l'air vraiment gentille, Abigail. Oui. Oui, elle est gentille. Et oui, j'aimerais bien pouvoir l'aider un peu plus. Elle me dit que je fais déjà beaucoup. Et je sais qu'elle m'en veut pas si jamais ça va pas. Bah là, par exemple, je dis que je ne travaillerai pas aujourd'hui et c'était OK. Mais je sais que c'est compliqué pour elle. Bien sûr, et... mais du coup, déjà, tu l'aides. Oui. Et oui, t'aimerais faire plus, mais... Fais...
Elle fait partie de l'association des patrons en burn-out. Et qui d'autre dans cette association? Docteur Ortiz et je crois Monsieur Brench. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres gens, mais bon. Ils en ont parlé hier justement quand Abby elle en pouvait plus. Et... Ouais. Faut pas que tu... Du coup, si elle est déjà en burn-out, faut pas que toi aussi tu... Tu es en burn-out. Bah, oui. C'est quoi le burn-out, en fait? Enfin... C'est quand tu travailles trop. Ouais, c'est quand tu travailles trop, même. Mais je travaille c'est pas forcément... C'est pas forcément le... que le travail. C'est quand juste t'es... Il se passe trop de choses, t'es surmené. Il y a trop de trucs, que ce soit du physique, de l'émotionnel, du psychique, mais je suis pas sûr de savoir vraiment ce que ça veut dire, qui arrive quand il y a trop de trucs qui se posent d'un coup, bah... Donc faut que je fasse plus petit à petit. Voilà, faut juste prendre son temps, faut avancer à son rythme pour faire de son mieux, sans aller trop loin, c'est un équilibre à trouver. Oui, comme quand je fais la funambule. Exactement. Entre aller suffisamment vite pour parer, pour pas tomber, et pas aller trop vite pour pas perdre l'équilibre. Je trouve que je suis facilement malade. Facilement malade? Ouais. Je sais pas, t'es tellement malade que ça. Bah ouais, je sais pas. Enfin, t'es souvent au LSMS, mais... C'est pour ton traitement, quoi, en général. Ou alors pour des blessures. Oui. Je sais pas, après... Bah, t'as peut-être un système immunitaire moins résistant que d'autres, mais... Je sais pas. C'est Ashley, vu que je lui ai dit que j'avais pas réussi à manger parce que j'avais plus de force, il m'a dit que il m'a demandé si j'étais facilement malade. Bon, oui. Ok. Mais je crois pas. J'ai la fatigue, mais c'est pas. Oui. Là, surtout, on commence. Ouais. On arrive aussi en hiver en plus, donc. Froid sur froid. Oui, mais du coup, j'ai l'habitude du froid. Vu que même quand je suis couverte, j'ai froid. C'est vrai, du coup ça s'empire pas, c'est bon, t'as pas encore plus froid. Des fois je vois pas trop la différence. Ok. Il faut aussi que j'aille poster ton troisième poème cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Si t'as pas le temps cette semaine, c'est pas grave. Oh, si. Bon, demain soir, je devrais avoir le temps. Bon, au pire, vendredi soir, mais je trouverai le temps. Faudra que j'en refasse. Bah ouais, si t'as envie d'en refaire, refaisant, moi ça me fait plaisir, j'aime beaucoup. Oui. Bah, j'aimerais bien aussi, mais c'est vrai, des fois, je suis trop fatiguée. Alors, ouais, quand t'es trop fatiguée, enfin... C'est ça. Et si je dis pas de conneries, des grosses, grosses fatigues, c'est les premiers signes d'un burn-out. Donc, faut bien faire gaffe. Ok, d'accord. Mais, ouais... Comment on fait pour pas
se surmener. Faut faire quoi? Bah, je dirais que justement c'est ça, faut trouver le bon équilibre entre faire des choses pour rester actif, pour faire des choses qu'on aime faire, des choses qu'il faut faire, que ce soit travailler, écrire des poèmes, sortir, voir des gens, discuter. C'est plein de choses et quand on commence à sentir que bah ça va pas, qu'on commence à être fatigué, qu'on commence à être tendu, ça peut se décliner de plein de manières, qu'on est facilement sur les nerfs, facilement triste, tout ça, bah que c'est peut-être le moment de ralentir la cadence et se poser, et juste rester, je sais pas, sous la couette, à boire du chocolat chaud, à regarder des films. Si je reste toute seule, je me sens toute seule justement et je... Oui. C'est compliqué. J'essaie de trouver des gens avec qui passer le temps pour me sentir moins seule. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Ouais. Hier, j'ai pas trop trouvé de gens pour passer le temps. À un moment, il y avait Émilie et Anastasia pour leur couleur de cheveux. Mais oui, ça n'a pas duré très longtemps. Je sais que Anastasia, pour le coup, elle aussi, elle a envie de pouvoir être là pour toi. Ah bon? Ouais. Tout à l'heure, quand on était au commissariat, j'ai dit qu'il fallait que je t'appelle et du coup, je suis parti te voir, je l'ai prévenue, elle m'a dit ok, c'est normal, je comprends. Et bah, je suis toujours là pour t'aider, toi et Delilah, évidemment. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a directement dit « Prends ta soirée pour passer du temps avec elle. Okay. » Alors que j'étais encore dans le hall. Et que oui, bien sûr que c'est quelqu'un de très gentil. Oui. T'aimes bien sa nouvelle couleur de cheveux? Oui. Ça lui va bien. Ça lui va mieux que le vert. Il y a eu du rouge aussi. Ouais. Pour l'instant, le bleu, c'est ce que je préfère, je pense. J'aime mieux le bleu aussi, parce que j'arrive mieux à le distinguer. Les autres couleurs, on dirait un peu du marron. Ouais. Toi, tu veux pas te changer de couleur de cheveux? Je sais pas. Parce que mes cheveux, ils ont perdu leur couleur. Je sais pas si je mets de la couleur par-dessus, ce que ça ferait. Quand j'étais jeune, je faisais des couleurs de cheveux. J'avais fait du violet. Je crois que j'avais eu du bleu aussi à un moment, mais je sais plus trop. Je sais, ma mère, elle aimait pas ça du tout. Ouais, moi ça me ferait bizarre, je pense, mais... De quoi? De faire une couleur de cheveux. Ah, oui. Émilie, elle a demandé si je pourrais te convaincre de changer de couleur de cheveux. Et j'ai dit que j'étais pas sûre de vouloir te convaincre. Ouais. Bien, là, comme ça, avec mon pédalon noir. Bah oui. T'es un requin noir, ça existe. Les requins. Et qu'il y a les requins blancs, mais je sais pas s'il y a les requins noirs. Si ça n'existe pas, c'est que je sais. Oui. Et unique. Les grands requins blancs.
que... Ah, oui. Ça rame un peu. C'est peut-être internet parce qu'on est un peu au... Ouais. Bon, il est en général un peu... D'accord. Mmh. Oui, moi aussi. Moi, j'arrive pas à accéder à Twitter. Ah oui. Oui, il n'y a pas... Ouais. Ça fonctionne pas sur mon téléphone. Bah, sur Twitter, il faut y aller seul. Mmh. Oui, il y en a partout. C'est sûr. Mmh. Anna Williams qui... Oui, il y a eu sur le unicorn aussi. Et du coup, on a trois événements à la suite où on doit gérer le restaurant. Ouais. Pour la partie restauration, du coup, c'est... Ouais. Oui, mais c'était un peu pour ça. Moi, pas que, mais que Kaby est en burn-out. Et il existe un requin à pointe noire. Un pointe noire. Oui. Bah d'accord, bah, c'est oui, c'est la crête noire. C'est ça. Les pointes noires de ces nageoires, on va noir. Bah c'est une nageoire, la nageoire du dessus. Ah, c'était ici, vous êtes allé. Ouais, il y a le lieutenant, il a dit qu'il rêvait d'acheter la maison qui est là-haut. Le lieutenant... Cernier, oui. Oui, je me souviens. Vous avez pris des photos hier. Non, avant-hier, des chiens. Ah oui. Le désir. Ça tombe bien fort parce que j'ai regardé mon téléphone parce que j'avais un message entre les deux de la police. J'ai pas regardé en même temps. Mais ouais, en fait, on était quatre, on passait la formation de chiens et avec la. On avait prévu de faire appel aux chiens régulièrement pour pouvoir prendre des photos avec les chiens. De mettre le chien dans ce coaching, nous avons expliqué que c'était bien. Que fallait pas les appeler pour rien. Et du coup, on a profité des heures pour la soirée pour faire plein de photos. Mmh, ah oui. Et ils sont photogéniques. Ils sont très beaux. Ils sont majestueux. Mmh, oui. Oui, j'ai vu, elle était sur une espèce d'estrade, Daisy, sur la photo que tu m'avais envoyée. Ah, c'est ça. Mmh. Bon, ils sont pas tôt, donc il y a plus de les portes sur l'estrade. Mmh. Ah, voilà. Doodle. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, mais le qui c'est comme Emily, j'avais dit. Flash, c'est rigolo. Du coup, t'as pris en photo le flash. Et, oui. Malheureusement, non, on avait que Google et Daisy pour prendre les photos. Ah oui, j'avais pas compris. En fait, ouais, il y avait moi le chien dont je m'occupais, c'était Daisy. La lieutenant, c'était Doodle. Et les deux autres personnes qui passaient la formation, ils étaient les autres. On était par contre deux, quatre, du coup. Oui, d'accord, oui,
Bah oui, ça n'a plus de place dans la voiture. Les 4x4. Ok, je savais pas que vous aviez ça à vous expliquer. Ouais, après, c'est pas des 4x4 comme on imagine, avec une grosse remorque à l'arrière. Ça ressemble plus à un espèce de gros SUV. Bah, en vrai, ça ressemble un peu à ta berlingue, mais en plus compact. Il y aura un peu plus compact, genre moins long, mais plus gros. D'accord. Et pourquoi ça s'appelle 4x4 du coup? Parce que c'est à 4 roues motrices. Ah, d'accord. Je savais pas que c'était pour ça que ça s'appelait comme ça. C'est parce que là, du coup, les 4 roues sont liées. Enfin, c'est directement liées entre elles, et les 4 peuvent tourner dans toutes les directions. Enfin, dans toutes les directions. D'accord, peuvent tourner dans. Je n'y connais pas trop en mécanique, alors je vois pas le. Bah, il y a typiquement trois types de voitures. Les 4 roues motrices, donc les 4x4. Les tractions, où les 2 roues motrices sont à l'avant. Et les propulsions, oui. Où les 2 roues motrices sont à l'avant. Ah, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ouais, t'as déjà entendu les termes, du coup, des voitures tractions. Non, bah je connais les mots, mais pas liés aux voitures. Du coup, j'imagine ce que. Alors, traction, c'est quand ça tire. Du coup, c'est les roues devant, c'est ça, j'imagine. Parce que ça tire le reste. Et propulsion, ça doit être à l'arrière, parce que ça. Oui, ouais, je sais pas trop. Ouais. Bah, c'est logique, mais ouais, je connaissais pas. Fait de la mécanique, toi, un peu. De loin, mais... Bah, de moins loin que moi. Oui, Après, dès là, j'ai aussi beaucoup plus de temps pour m'intéresser. C'est vrai. Mais, ouais, c'est. Disons que j'ai des connaissances de base, histoire que si je me paume, un jour je pars en route. Et je me dis, c'est les États-Unis d'Est en Ouest. Bah, si jamais il y a un pneu qui crève, bah, si j'ai manqué de rechange, je vais le remettre. Oui, alors que moi je sais pas faire. Ouais. Je sais pas si j'ai un pneu de rechange dans la voiture. C'est genre dans le coffre. En général, oui, c'est dans le coffre. Ouais. Du coup, ça m'étonnerait que j'en ai une. Peut-être sous le. Peut-être qu'il y a une trappe. C'est possible. Après, il y a des voitures, mais c'est que pour les très vieux modèles. Que vous pouvez... Ouais, une lingotte, c'est pas très grave. Ou ça Sous la voiture. Ça frotte pas sur la route. Enfin, en fait, genre, c'est. Il y a un compartiment sous la voiture. Oui, le pneu. Genre du coup, ça dépasse pas du dessus de la voiture. Mais il faut passer, enfin, faut soulever la voiture pour récupérer le pneu. Faut avoir un clic. D'accord. Bah, de toute façon, il faut soulever pour pouvoir changer la roue. Oui, c'est pour ça. De toute façon, oui. Attends, la roue, elle est sous la voiture. Donc il faut un clic pour soulever la voiture pour récupérer la roue. Ouais. Oui, d'accord. D'accord. Je crois pas qu'elle soit trop vieille, ma voiture. Je crois pas. Quelqu'un qui m'a dit que j'avais. Enfin. Il a complimenté ma voiture, mais je crois que c'était. Enfin. Je sais pas si c'était ironique ou pas. J'ai pas réussi à comprendre. Qu'elle est pas. Ouais. Elle n'est pas particulièrement jolie ni rien, donc je comprends pas trop. Et juste, ouais. C'était quoi comme compliment? J'ai plus genre.
Super la voiture, un truc du genre, je sais plus. Mais elle est pas super, enfin, elle est bien. Du coup, j'ai pas... Oui, mais du coup, j'ai pas trop compris pourquoi il m'avait dit ça. Soit il a essayé d'être gentil et il a eu un truc Peut-être. plus sympa que tout le monde, c'est vraiment. D'accord. C'est le style de voiture qu'il aime. Ok. Typiquement, ouais, il y a des voitures. Ça, pour le coup, c'est les deux couleurs et ça s'accorde autant aux voitures que. Ouais. C'est juste, ça m'a pris un peu au dépourvu. Je ne veux pas, oui. Tu t'attendais pas là, tranquillement. Oui. Bah, surtout, bah, je sais que je fais attention à ce qu'elle soit cassée, mais je sais que souvent elle n'est pas très propre. Enfin, je ne vais pas la faire nettoyer tous les 4 matins. Du coup, oui, mais pas. C'est une voiture, quoi. Elle roule. Non, c'est pas les off-road, c'est pas pareil. C'est quoi? C'est très basse. Je sais pas comment définir ça, mais c'est une voiture très. Enfin, c'est pas puissante, c'est un peu. C'est pas très cher en général. Mais ça roule bien, c'est presque les autres. D'accord. La Dominator, tu l'as vu. Oui, je l'ai conduit. D'accord, ok. C'est des voitures avec des gros muscles. Un peu. C'est un peu l'idée parce que tu peux les faire cadrer. Ah, comme les chevaux. Exactement, comme les chevaux. Avec ma Dominator, je peux lever l'avant et rouler sur le droit. Tu me montreras. Ça va être rigolo un peu. Faut pas glisser du siège, mais. Ouais. Bah, si tu veux, on peut se déplacer et récupérer la voiture. Oui, on peut. On s'en va. Ok. C'est parti. Oui. Ça glisse un peu le contenu. Ouais, bien mouillé en plus. Oui, c'est. Il y a pas mal de pluie hier. Oui. Et ouais, c'est un ponton. Il y avait des gens qui râlaient. Ça se pleuvait beaucoup. Oh, les gens qui pleuvent. Ouais, j'ai la vidéo qui pleuvait. L'an dernier, il a neigé en hiver, mais il n'avait jamais neigé avant. Oui, on en a parlé avec Monsieur Brunch, parce que bah, lui aussi, il a toujours habité ici. Et c'est vrai que bah, les années d'avant, il n'y avait jamais eu de neige, donc je pense que c'est le dérèglement climatique. Mais du coup, bah, j'espère qu'il y en aura encore cette année, parce que bah, l'an dernier, j'ai pas pu trop ressortir. Oui. Ah. Ouais, il y a contresens. Et il neige à Chicago un peu. Ouais.
Ah oui, le petit chemin de terre. Oh parfait, ils ont un peu eu à ralentir. Oui, t'es trop fort. Ouais, c'est pas très légal de faire ça. Comment ça se fait ? Oui, ça va. C'est juste, je suis tranquille. Oui. Il n'y a jamais meilleur moment que quand on s'en va. Oui. C'est très cool. C'est. Oui. Oui. Elle est vraie, oui. Et quand ça arrive pas souvent, c'est encore mieux, oui. Oui. Et on peut les yeux. Alors on est bloqué dans les montagnes. Avec mon père qui tire à la montée. Et là. La première chose que je vois en noir et tout, c'est le petit côté de la jambe. J'avais chaud, je voyais. Ça devait être chouette. Est-ce que ça se mettait sur les vitres de l'hôpital, les flocons l'an dernier? Et ça oui. Ben, je me demande si ça faisait pareil sur la voiture. Thank you.
connais pas ces chansons. Mais... elle est cool. Je voulais montrer ta voiture qui fait des roues arrière. On peut faire ça et après on va se coucher. Ça va, je veux bien voir la voiture. La voiture cheval. Ça s'appelle Spirit. Tu connais Spirit? Oui, c'est le cheval. Oui. Ma petite sœur, elle aimait bien. Je range la voiture. Ok, oui. C'est un voisin. T'as tapé sur les doigts, que c'était encore. C'était... Ah oui, non, c'était 13. Donc... 13. Oh là, attention. Oh. Ouais. Sinon, je me disais, il y a le parc de la Maze Bank, mais c'est peut-être un peu loin. Ça n'a pas voulu. Oui. 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 Oui
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le lieutenant. Ah. Il était en civil. J'ai pas vu une voiture de police. Non mais en fait je pense que j'ai pas mes lunettes donc il m'a marqué. Ah ok. Peut-être. Soit ça, soit je vais recevoir un appel téléphonique où il va faire. Ouais, 26 ouais. Ouais, un produit comme de la merde. Oui, on faisait des tours de manège. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de faire la caisse? Je sais pas. Là j'ai encore un. Je suis pas sûr de réussir à gérer les. Techniquement, en fait, tu dois maintenir l'accélérateur. Faut que je bois un peu. Oui, bah, Ok. Tu dois maintenir l'accélérateur, mais en même temps, du coup, tu tires le frein à main. Et sans jamais relâcher l'accélérateur, tu lâches le frein à main. Enfin, tu rabaisses le frein. Ok, oui. Je sais pas parce que j'ai encore les muscles un peu. Je sais pas si j'arrive à combien. Oh oui. Ça a failli être là, mais ça va. Heureusement que c'était pas encore lieutenant parce que là je pense que. Oui. Oh ouais. T'as un message. Ah, elle s'est fait mal. Ouais, apparemment, bon, vu comme elle me le dit, ça peut pas l'air trop grave. Ah. Tu veux qu'on y passe? C'est ok. Je peux pas. Oui, ça marche. Ouais, ça marche, oui. Ouais, je. Oui. Premier dodo chez moi. Ouais. Ouais. Ok, je visualise pas très bien, mais ok, c'est bas, mais on peut les baisser encore plus. Ok, je sais que quand une voiture elle est basse, ça tient mieux la route, c'est ça? Tu veux garer où? Ah oui, c'est bon. Bah oui. Elle obéit pour l'instant. Ok. Ok, elle me dit quand elle y sera. Ok, bah du coup, on peut se garer de l'autre côté sinon. Ouais, on ça va aller. On peut y aller à l'ascenseur. Ouais, je sais jamais si on a le droit. Bah, si on ne peut pas prendre des escaliers, oui. Dérapage. Je sais pas faire le dérapage. Je vais pas assez vite pour faire le dérapage de toute façon. D'accord. Bon, moi j'ai rien dit alors. Après t'as peut-être pas une voiture qui est très bien pour le dérapage. Oui. Mais ça sert à quoi en fait? Il sert à quoi? Alors, B,
dépendant la situation, ça peut aider un peu à pas perdre de vitesse. Ok. C'est-à-dire qu'au lieu de freiner, tourner et réaccélérer, bah tu tournes oui, ta voiture. Au... Ouais. Donc tu restes à une vitesse à peu près stable. Et la vraie raison, c'est parce que c'est giga stylé. D'accord. Tu en veux des bonbons? J'ai pas encore mangé. Enfin, j'en ai mangé deux de ceux que tu m'avais passé. Okay, du coup. Ah, d'accord. Je mange pas très souvent des bonbons. Mais je les ai mis dans ma boîte à gants. Parce que c'est là qu'on met les bonbons d'habitude, non? Je crois que je t'avais perdu dans l'ascenseur. Ça n'a pas été très... Ouais. J'aurais pas été bien mort. Je pense. Ou alors c'est que l'ascenseur aurait été bloqué. Ouais, clairement. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut l'attendre. Bon, on peut l'attendre devant, je pense. Oui. Nickel. Bah ouais, Ah oui, j'avais pas vu. Oh, magnifique le timing. Ah bah bonsoir. Ça, bon, bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause d'elle. De quoi? C'est à cause de moi. C'est... Oh, c'est pas très gentil de dire ça comme ça. Bah si, c'est sa conduite qui m'a blessé. Par contre, ça dégoûte, hein. En deux mois, j'ai jamais eu le temps de faire une adam avec 17. Je suis pas là un soir, t'as le temps, ça. Bon, quoi, mais c'est demande pas la première fois. Moi viens, on fait Adam, à chaque fois c'est moi qui propose et t'es pas dispo. Oui, pas faux. Ah bah, voilà. Bon, la prochaine fois je propose. Bah, non. Et pourquoi t'as plus tes lunettes? Bonne question, je les ai enlevées tout à l'heure, mais je les ai toujours. On m'a poché rien. Ok, tac. Okay. Mais non, mais. Juste ah, habitué de te voir avec des lunettes, hein. Quoi. Oui, non, c'est pour pas qu'on reconnaisse. Et encore, toi, tu m'as jamais vu sans. Et encore, tu m'as jamais vu sans les. Sans la barbe 17. Hein. D'accord. Sans la barbe. Et les gants d'ailleurs. Allez. Je les ai aussi enlevés. C'est bon, j'ai le droit de pas être couvert complètement. Mais non. Super. Je suis tel Superman. Clark Kent. Superman. Ah ouais. Il a changé Clark Kent. Il manque la petite virgule de front. Ah ouais. Ah ouais, j'avoue la petite mèche là. Oh, je me vois tellement avec la coupe de Superman. Ouais, oui, évidemment. Ouais, bon allez, je vais voir des médecins parce que là, oui. T'as mal. Ça va? Un peu partout quand même, hein. Avec les différents accidents, oui. Ah ouais. Oh, ça pète un câble en radio, j'en peux plus. Ça va, c'est pas trop dur la soirée pour l'instant? Non, il y a la capitaine qui est à la maize, donc... Ah. C'est la fête au village. Avec 31, ah. Donc oui... T'imagines, ouais. C'est chuchote en radio, c'est terrible. Okay. Mais oui. Et du coup, on a fait le recrutement d'un nouveau cadet, donc. C'est celui qui a chouiné sur le. Oui. Oui. Okay. PS, je l'aime pas. Oh, ouais. Bah, je lui ai fait vivre un véritable enfer pendant son fantasme. <Ouais. rire> Ah, est-ce que vous avez fait les tests de réflexe? Oui, bah je l'ai tapé 6 fois dans la gueule. Donc, ok, c'est nickel. Oh, c'est ma technique aussi. Qu'est-ce que. Mais. En gros, on les entraîne au réflexe en leur mettant des patates et voir s'ils esquivent. Mais à l'aide ? J'ai jamais eu ça. Ouais, bah normal, c'est moi qui mis ça en place. Quoi, mais... C'est... Ouais, t'inquiète, j'ai d'autres idées de souffrance. Est-ce que toi aussi, pendant les pompes et les hebdos, tu comptes deux fois le même numéro et des fois 5 ? Deux fois les 4, je compte du coup deux fois les 4, deux fois les 6 en général. Ah, nice. Ouais. Un peu qu'ils aient la niaque. Ouais, bah je vais me dépêcher, on va aller rejoindre. Hein. Ok. Bah moi je vais me coucher par contre. Ah ça marche, ça bonne. Ouais. Ouais bah du coup j'en. Ouais. Ok. Tac. T'as une voiture pour rentrer? Bah je vais aller dormir. Ah oui, du coup. Y'a des Layla qui s'est acheté un appartement. Ah, c'est cool! Oh, alors, pas acheter, hein. Mais ouais, j'ai trouvé un truc à louer. Ah, mais c'est bien!
Ok. J'ai pas encore osé y aller. Mais... Ouais, c'est pour ça. Je vais dormir chez elle, comme ça, première fois. Demain, je vais passer, ok. Bah, oui, ok, pas de soucis. À demain. Bon, bah, à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, et bon courage. Pour... Et... J'espère que tu vas pas avoir trop mal. Non, ça va aller. Des bisous. Oui. Oui. Ce soir, manger, non, on doit reprendre l'ascenseur. Bah voilà. Bah, on va faire pour décaler un peu pour pas rester dans le truc. Ouais. Furtif. Discret comme des alpagas. Les alpagas, c'est discret. Bah, t'as déjà vu un alpaga à Los Santos? Oui. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Je pensais qu'avec suffisamment d'aplomb, je pensais que ça pouvait devenir vrai, mais non. Bah, tu vois, c'est la preuve qu'ils sont super discrets. Du coup, les éléphants, c'est très discret aussi, parce que j'en ai jamais vu à Los Santos. Exactement. D'accord. Pas sûr de ma logique en vrai, mais je crois. Oh, oui. C'est bien d'y croire des fois. Putain, je vais me coucher tôt ce soir. Oui. Je pense que ça va me faire du bien aussi. Oui. Et demain, il y a la fête de... Bon, je sens que demain, on va être appelé pour sa page nocturne. Bah surtout, je t'avoue que je sais pas si j'ai vraiment l'autorisation d'organiser un truc là-bas. Je sais pas si... Bon, après, c'est un lieu public, je crois. Mais je m'y connais pas en loi, mais ouais. Oui, non, c'est... J'avais une petite erreur, mais ça rien. Voilà. Oui. Oui, je crois que ça... Quand j'ai ouvert la porte, ça... Ça a appuyé dessus un peu, mais c'est tout. On verra ça. Non, mais c'est bon, ils ont soigné. Ça va. Je repasserai à l'appart rapidement. Je récupérerai 2-3 pansements et un peu de désinfectant. Ils ont déjà désinfecté, je crois. C'est juste que ça a un peu appuyé. C'est lui. Oui. Je vais au travers de puissance. Oh. Oui. Ok, c'est bon. Ouais. Il a juste pas compris ça. C'est le cas de qui a choisi. Ouais, c'est ça. Il a écrit. Il a écrit son match pour envoyer un message. Oui, pour dire oui. Ok, pour dire tu prends ton service. Quand tu prends ton service, quand tu pars de service, c'est pas là, c'est pour toi. D'accord, ok. Okay.
pardon. Ah oui, juste avec la vitesse. Ouais. Oui, je crois pas que ça fasse ça. Après, je freine en général dans les virages, alors oui. Oui, oui, pardon, oui. Quand il y a des virages, je freine. Ah, tu vas te garer là-bas. Je sais pas trop quel côté ce sera le plus. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui. J'ai le cerveau en... Oui, en hibernation. Ouais. Oula. Oui. Je te laisse ressortir ta voiture. Oui. Et c'est parti. Oui. Ah, ça y est, je sais pour combien je vais avoir ma moto. Ah oui, c'est vrai. Celle que... Qui est-ce qui te la vend déjà? Le sergent Beur. Ah oui, celui qui m'a appelé tout à l'heure. Oui, oui. Ah, regardez en fait. Oui. Oui, elle arrive, en fait. Ouais. Là, c'est avec le frein à main. Là, c'est oui, là, c'est avec le frein. Oui. Sans ce serait compliqué. Ouais, non, sans ça. Sans ça marche pas aussi. Oui. Voilà. Oui, ça marche. Et si on y met un peu de la vitesse? Oula. J'ai cru qu'on allait pas foncer dans le poteau. Oh, elle fait des traces. Ouais. Et là, ta voiture, c'est donc une propulsion. D'accord. Parce que t'as les roues qui sont restées au sol, qui du coup ont pris la puissance du moteur, c'est les roues arrière. Ah, oui. D'accord. Voilà. J'arrive à me couper. Ok. Oui. Bah, j'en apprends tous les jours. Voilà, ça. C'est des petits trucs que je connais pas grand chose, mais du coup, j'aime bien partager ce que je connais. Oui, et du coup, les dérapages sont différents en fonction de si c'est à propulsion ou à. Ou à. J'ai l'autre. Traction. Traction, oui. Oui, il se gère différemment après visuellement, ça se ressemble énormément. D'accord. Les voitures 4 roues, c'est. C'est par contre, les voitures 4 roues, c'est plus compliqué, du coup. Bah, oui. 4 roues motrices, du coup. Oui, j'ai le. Oula, le. Je viens de voir l'hélicoptère tomber très très vite vers le sol. Donc, ouais. T'inquiète, je l'arrête à la puissance de mes gants. Oui. Oui, faut que je. Attends, mes gants, ils sont. Oh. Ouais. Mais c'est pas des gants. Ah bon. Moi, c'est des. Attends. J'étais. Est-ce que j'ai le bout de doigt qui est couvert ou pas? J'ai du mal, hein. Ouais, oui, bah oui, j'étais persuadée que c'était des mitaines. J'ai confondu, je crois, avec. Avec d'autres que j'ai. Ouais. Parce que c'est plus des gants de moto qu'autre chose. Oui, non, je fais pas de moto, mais. Oui, c'est pour ça que. C'est étonnant. Oui. Bah, j'ai pris des gants pour protéger un peu les mains des fois. Oui. Moi, c'est pour ça qu'on en a pas sur une forme de base à la plus des gants. C'est pour ça que je vais pas protéger avec des gants.
Bah oui. Nous, on en a au restaurant pour les livraisons, quand on porte des trucs. Oui. Quand c'est lourd, ça fait mal un peu aux mains. Mais vu que je me fais des bleus facilement, et oui, bah du coup, je mets des gants des fois. Ça va. Il y a plus vite que ça. Comme les gens qui s'arrêtent à côté de moi pour dire que je sais pas traverser la route. Oui, mais ça c'est des cons, ça. Une traversation sur un passage plutôt. Non. Mais bizarrement, des fois c'est plus safe de traverser pas sur un passage piéton. Parce que souvent les passages piétons ils sont au niveau des intersections, et les intersections les gens ils font pas gaffe. Et quand ils tournent ils regardent pas. Et j'ai plus de chances de me faire. Ouais. Du coup des fois si c'est mieux de traverser pas sur un passage piéton, bah je le fais. Klaxonne beaucoup. Non. Peut-être pas ce son-là, mais... C'est un petit truc à la con, mais le moment le plus sûr pour traverser la route, c'est le moment où, quand t'es piéton, c'est le moment où tous les feux sont rouges. Alors que justement, le rouge, c'est pour les pieds dangereux. Oui. Pas quand tous les feux, même le feu pour les voitures. Oui. C'est ça. Oui. Oh. C'est là, la route là, on va au bout, et c'est... Oui. Oui. J'ai la clé. Ok. Là, si je l'avais oublié dans la voiture, oui. Pas dans un nouvel appartement pour dormir sur le terrain, c'est triste. Oui. Ça va le faire. Ouais. Ça se passait tranquillement. Ouais. Bah, c'est surtout le fait que ce soit chez moi qui me perturbe. Ouais. Bah, déjà, à part la maison, mes parents, bah, je sais jamais. Ouais. Ça va, Anastasia? Oui. Elle a pas... Je vais envoyer un message là. Pour lui dire bonne nuit. Ça marche. Y'a pas de bruit. Y'a pas de bruit. L'horoscope, il y a un truc que j'aime pas. Il dit quoi? Bah, il dit pour les scorpions, il dit n'ayez pas peur de mettre fin à une amitié, mais j'en ai qu'une seule, je compte pas y mettre fin. Oui. C'est trop bizarre. Je ouais. Oui.
Mutitsu. Oui. Avant d'aller se coucher. Ça. Elle est bien tombée aussi. Vraiment sur les 20 derniers mètres. Oui. Mais ça fait toujours bizarre d'avoir à nouveau chez soi, mais. Oui. Qui se construit. Oh, ouais. Justement, j'ai pas trop l'habitude. Je sais pas, c'est normal. Ouais. Ok. Allez. Ouais. Puis on va bien dormir. Oui. Hop. Oui. Bonne nuit, Delilah. Bonne nuit. Bonne nuit, Victor. Wesh, des fois j'ai des pensées capillotractées. J'suis devenu connu, même plus besoin de tracter. Et j'esquive tout, ce qui me fait gerber, dégoûté quand j'entends tout. C'est qu'on disserté, ça ne réfléchit plus, puis se croit intelligent. Ça se croit au-dessus, mais au final c'est des gens comme les autres. Et puis j'y vais sans gants, je plane en cosmonaute ou débarque comme l'ouragan. Je sais que je suis personne quand je descends de la scène. Je vois le contraire dans son regard, et c'est pour ça que je l'aime. Seuls les vrais savent ce que mon blanc signifie. Mon rap s'arrosera mais avec le temps se bonifie quand plus rien n'a de sens. Je me demande encore pourquoi j'aurais une ligne directrice dans tout ce débord. J'écris à la zob espérant mettre de l'ordre dans mon crâne. Un joint de zob pour me calmer me faut bien plus qu'un gramme. Eh vas-y dis-moi qui pourrait m'arrêter. Et si Pink Diamond tombe je continuerai. Des bâtons dans les roues ou pierre même des herses. Ma rime continuera d'inonder comme la verse. Eh vas-y dis-moi qui pourrait m'arrêter. Et si Pink Diamond tombe je continuerai des bâtons dans les roues ou pire même des herses. Ma rime continuera d'inonder comme la verse. S'il m'en est une pute, genre jamais je le paye. Mon âme pour Belzébuth, Bélec quand mon fantôme s'éveille. Y'a pas de lapin blanc, encore moins de pays des merveilles. Tout le monde fait semblant et c'est nos arrières que je surveille. Ma parano me ronge quand mes cauchemars se révèlent. Dans les abysses je plonge, si le diable m'appelle. J'entends ces voix dans ma tête qui me disent fais-le. Dory a raison, je crois qu'on est tous un peu fêlés. Et quand j'ai envie de sauter de la falaise en seulement deux mots, il n'y a que elle qui m'apaise. L'univers s'assombrit quand résonnent les chants de guerre. Les faits divers se multiplient quand le sang colore la terre. Les peines grandissent quand les haines s'enrichissent. Les larmes s'unissent le jour où meurt Ulysse. Les pyramides font toujours le même effet. L'œil surveille toujours chaque méfait. Eh vas-y dis-moi qui pourrait m'arrêter. Et si Pink Diamond tombe je continuerai. Des bâtons dans les roues ou pire même des herses. Ma rime continuera d'inonder comme la verse. Eh vas-y dis-moi qui pourrait m'arrêter. Et si Pink Diamond tombe je continuerai des bâtons dans les roues ou pire même des herses. Ma rime continuera d'inonder comme la verse. Les calculs sont vite faits quand les liasses s'entassent. La fumée arrive très vite quand le wesh se tasse. Quand les gyros retentissent, les braqueurs se cassent. Quand le feu est rouge, on s'en bat les compasses. Les 10-31 s'engagent comme un match de foot. Eh monsieur Bennett, vous en avez encore rien à foutre. Oui, j'en ai rien à foutre, paye la cumule et ça repart. Et le prochain qui parle mal à ma femme, je le démarre. C'est le cadeau de la rue, va bien te faire enculer. C'est cadeau sur l'instru et rabé des mecs matriculés. Je fais ma vie comme bon j'entends et je l'entends ben. Sa mère les squatteurs ça fait de l'engrais pour le jardin. Ricky et Jésus le repas est servi et mangé. Au quotidien oui des roms continuent de se mélanger. Toujours posé au bord de la mer mène ma vie de rockstar. Continue d'écrire des textes amers et j'esquive les radars.
Eh vas-y dis-moi qui pourrait m'arrêter. Et si Pink Diamond tombe, je continuerai des bâtons dans les roues. Ou pire même des herses, Marine continuera d'inonder comme la verse. Eh vas-y dis-moi qui pourrait m'arrêter. Et si Pink Diamond tombe, je continuerai des bâtons dans les roues. Ou pire même des herses, Marine continuera d'inonder comme la verse. Eh vas-y dis-moi qui pourrait m'arrêter. Et si Pink Diamond tombe, je continuerai des bâtons dans les roues. Ou pire même des herses, Marine continuera d'inonder comme la verse. Eh vas-y dis-moi qui pourrait m'arrêter. Et si Pink Diamond tombe, je continuerai des bâtons dans les roues. Ou pire même des herses, Marine continuera d'inonder comme la verse. SB. On connaît l'échec. Je vous dis bonne nuit à tous, merci d'être passé. Vous êtes trois, qu'est-ce que vous faites ici? N'oubliez pas le sub goal.